Get a viewer, que si ça dure 20 secondes, si jamais ça bug, qui refresh la page. Parce que des fois, sur les navigateurs. Donc logiquement vous devriez nous entendre. Donc la seconde partie se commence. On va changer, on va prendre l'AK-47. On est tombé sur un abonné cette fois-ci. 47, ouais, il habite à côté de chez Loan. Donc petit coucou à toi Molten 47. On est donc reparti, j'espère que vous êtes toujours là. J'espère que vous êtes toujours chaud. D'accord ? Parle de la pub. Ouais, je le parle, je ferai après. J'ai vu personne au fond. Je vois pas trop où aller là les potes. Hein. Il y en a un. Mid. Il va revenir ou pas sur moi? Ouais. Oh! Oh le coup de clé qui s'est pris! Un vrai coup de cut à la Black Ops. Ou moins un fort 3 quoi. Encore un, je lâche. Ah oui, mais c'est CTF, moi je jouais comme c'était du recherche. J'ai à go. Wow, ils sont tous en fantôme, je crois. On a avancé. Il y a un drone. Vas-y, reprends, reprends. Il va revenir sur moi, l'autre. On a le drapeau ennemi. Même pas. Non, il est sur toi. J'arrive à go. Top gauche, il est. Il a pris des balles. Ouais, moi je m'occupe de l'autre qui est là. Non, mais il joue pas. Il y en avait un qui joue pas malheureusement, je sais pas pourquoi. Il y en a un sur son drapeau logiquement. Je vais le tuer. Ou pas, parce que je peux aussi lucher. Hop. Un mid les gars. Trois bons alliés, on approche. Voilà, j'ai tous mes trucs. Je vais mettre le drone. Le drone de brouillage. Et j'allais mettre le flag tranquille, donc là ouais, la connexion est alors quand même bien potable, je sais pas si c'est Loan qui l'a chopé ou pas. Mais top chez nous. Un foudroiement qui a été encore une fois complètement inutile, bien joué à Togota. Maintenant au-dessus de chez nous. Mort. Un qui revient sur toi. J'ai mis un bombardement. Les bombardements ils sont pas très efficaces hein. Surtout en ligue j'ai remarqué. Je pense que bien tu mettras un autre truc, je mettrai un gardien pour les prochaines fois. Ah son drapeau. Il va à droite. Bon, on a baissé les bitras, j'espère que ça va mieux la qualité. Je le tweet, je vous demande. L'ennemi a pris notre drapeau. Ils ont pris notre flag. Ça va passer le bâtiment. Je demande si le stream est mieux. Vous avez envie de... Attendez. Ouais, je pourrais pas le rattraper de toute façon. Je précise. Bon, celui-là, ils vont le mettre. Attention, l'ennemi a pris notre drapeau. Ouais. Le stream est mieux avec moins de bitrate. Retweet si oui et faf sinon, voilà. Comme ça pour avoir un ordre d'idée, sinon si. J'y vais. Il est barré. Il a ma tactique. Notre drapeau est dans la base. Wow, il est où? Middle. T'as mis une vraie balle, il va chez nous. Non, il revient. Ils ont pris notre drapeau. On est mort. Drapeau ennemi capturé. Je m'en occupe, Non, il y en a un sur toi. Notre porteur est à terre. Notre drapeau est perdu. Non, j'ai mon drone. Je crois que je peux prendre tranquille là. Ouais. Drone en attente. Drone en approche. Donc je flagrane avec une AK, mais bon. Le temps est presque écoulé. Allez. L'ennemi a pris notre. Il vient venir sur moi ou pas, les gens? Non, il vient sur vous, je crois. Non, il est sur moi. Hop,
Je vais bloquer. GG. Je vais mettre mon foudroiement à la fin. Pour faire peut-être le dernier kill. Pour un peu il a tué tout le monde, ça sert à rien. Mais bon, tant pis. Oh, genre. Mon premier side assez. Assez bon. Donc pour certains c'est toujours pareil. Ouais c'est retweet si pardon retweet si oui 178 retweet, favorite sinon 105. Donc c'est kiff kiff et je sais pas trop quoi faire parce que là on l'a baissé. Après si on baisse plus c'est, si on baisse encore plus c'est plus du HD quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Et wow, il s'est mangé du coup de cadet tout à l'heure. C'est, si on baisse plus, c'est plus du HD, enfin c'est plus, il n'y a plus l'utilité du... Non. Enfin normalement ça se met automatiquement là. Je sais pas et c'est un peu dommage que des personnes ne puissent pas le voir en qualité maximum. Jimmy est mort. Oh y'a un autre. One shot, derrière toi, tente-toi. One shot. GG. Bon, je sais pas trop quoi faire. Si quelqu'un a des idées sur Twitter, n'hésite pas à me tweeter. Il y en avait un en haut, le top. Oui, il a disparu. Ouais, il est passé mid. Ouais, il est passé. Il est au top. Ah ouais. Il défend le drapeau, mais bon, c'est. Voilà, ça sert un peu à rien de. Drapeau ennemi capturé. Drone allié en approche. Il va peut-être pas au top, il va peut-être dans le. Ouais, si, il va top. Il y en avait un mid. Il y a un chat. Je vais mourir. Il y en a un au top aussi les gars, il y en a deux à droite. Bon, je vais arrêter de faire les interactions. Il n'y a pas moyen de diffuser de live, non malheureusement il n'y a pas moyen les gens. Et j'en suis désolé, si je le pouvais je le ferais volontiers mais c'est pas possible. Là, il est juste sur toi. Ils ont perdu notre drapeau. Notre drapeau est sécurisé. Drone en approche. Donc on va essayer avec les 5 matchs de classement d'aller directement platine. Je sais pas si ça le fait comme la version bêta parce que pour ceux qui ont suivi nos matchs de ligue, dès les 5 premiers matchs, on est tombé en platine. Donc je sais pas trop ce que ça va donner là. J'ai fait du league solo, j'ai gagné toutes les games et je suis tombé en or. Non, en argent même. Donc vraiment. Je sais pas, je comprends pas trop le système, donc on verra ce que ça. Ce qu'on aura tout simplement. Bon, notre objectif est vraiment pas d'en perdre une. De la soirée. Alors, en fait, plus tu vas baisser la qualité, plus ceux qui auront des petites connexions pourront garder le live sans lag. Bah, c'est clair, mais. Le lag sera vraiment de mauvaise qualité et. Enfin. Il est monté top. Cool. Notre drapeau est dans la base. Je sais pas où va être le spawn, donc je vais les attendre là. On est en tête. Drapeau ouais, rien qu'à spawn droite. Ouais, ils ont tous respawn droite, je crois.
Si. Allez, partir à droite sur toi. GG. Prône allié en approche. Alors. Voilà, le live est parfait, laisse comme ça, image parfaite. Il y en a pour qui c'est parfait, il y en a pour qui c'est ça lag, il y en a pour qui on n'a pas une assez bonne connexion pour le voir et malheureusement on peut pas. En gros, quoi qu'on fasse, il y aura des déçus et c'est ça qui est. Il y en a deux à droite, deux à droite. Le problème de la casse c'est que de près elle est vraiment pas top. Mais il y a de... T'as le temps ou pas? Non. T'as pas le temps. Ah, bon, ça fait quand même 7 ans. Bien joué, gars. Écran noir. Ouais, bien joué, les gars. Donc, certains bugs pas. Donc, je comprends pas trop. Là, je suis en train de regarder le live. Pourtant, on est en train de jouer en même temps. Et il y a aucun lag en fait. Il y a. Enfin, la qualité est bonne. Et il y a aucun lag. Donc, en fait, ça dépend vraiment de votre connexion. Et ça, c'est vraiment dommage. Bien joué à vous aussi ceux qui sont dans la partie. Donc en fait il y avait plus d'abonnés de ce que j'ai entendu aux voix qui avaient pas M ou quoi dans leur clan tag. Mais en tout cas 3 parties restantes pour qu'on ait un grade. On voit enfin mon logo. Oui parce que c'est moi qui l'ai fait donc je m'en fous, je dis mon logo. Et ouais il y a des gens. Il y a des pseudos aussi bizarres, I love Goethe et tout ça. Je regarde un peu les commentaires. On est combien Loan? 6417. Voilà, on a un peu descendu du coup quand on a changé le... quand on a changé de connexion. Mais bon voilà on... Après, il faut se dire aussi qu'il est 19h21, les gens mangent, les gens attendent peut-être plus le truc contre les abonnés, même là, si vraiment, en fait, en gros, les abonnés ont une chance de venir jouer contre bon, en fait, les abonnés, en fait, ça revient même, parce qu'au final, dans le mois de ligue, ils ont des chances de nous rencontrer. Voilà. Donc, je reposte. Le lien du stream. Vous prenez la relève, Loanago? Ouais. D'accord, bon, on vous laisse avec Loan et Ago. On revient dans 5 minutes avec Samia. A tout de suite, les gens. Tu peux parler des pubs? Oui. C'est-à-dire le mec. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir tous les changements de cartes. Ouais, de match. S'ils ont un bug, ils vont actualiser. Ouais, s'ils ont un bug au bout de, genre, au bout de 8 secondes, ils iront actualiser. Même pendant la pub, hein. S'ils si, ils peuvent réactualiser, je crois qu'ils l'ont dit. Ok. Ouais, je te prends un peu. Ok. Salut tout le monde. Où c'est Gotek que je vois le truc? Parce que j'ai jamais pris ton. C'est où c'est que tu vois? Alors. Donc là, non, ça tu touches pas. Alors là, si tu vas là, t'as le chat. Ouais. Et là, il y a Twitter. Donc tu choisis le celui que tu veux. Ok. Donc pour les questions par Twitter, je suis sur le Twitter de Gotha. Donc allez-y, moi je vais être là vite pour vous répondre à des questions. Donc voilà. D'ailleurs, ils m'ont tous lâché, je suis carrément tout seul. Donc voilà, donc j'essaie de comprendre vite fait le système de chat. J'arrive même pas à lire les questions. Ping timeout. Donc si vous avez des questions, Pierre, posez-les sur le Twitter à Gotha, c'est beaucoup plus facile. Vous tweetez @gothaga et moi je suis là juste derrière, donc voilà. C'est dur le chat démotion. Pourquoi vous avez été dans la Millennium? Parce qu'en gros on pouvait tout simplement pas avoir mieux. Donc voilà, hein. c'est tout simple. Comment vous vous êtes rencontrés? Donc comment on s'est rencontrés? Moi et Ago, on a joué il y a de ça 4 ans et demi ensemble. Ouais, début Code 4, non? Début Code 4, puis après moi je suis allé jouer vite fait avec Gotha, lui était parti dans une autre équipe. Et on s'est retrouvés un tout petit peu après, puis après on s'est séparés quelques fois et on est revenu au final ensemble. Et puis on a recruté Diablo qui était à l'ancienne un joueur de notre équipe qu'on jouait très très rarement avec. Mais voilà. Donc je regarde ses tweets. À quel âge vous avez commencé Call of Duty? T'as commencé à quel âge toi? 13. Quel âge? 13. 13 ans? Oh, moi je pense que c'est ouais, 12-13 ans. Toi tu jouais sur Code 2 non? Non, Code 3. Je joue à Code 3. Combien coûte le casque? Dans ce casque il coûte en ce moment même, je crois que sur ces discounts il coûte. 50 ou 60 non? Ouais, il coûte 50€, 49,99€ sur ces discounts. Je l'ai vu tout à l'heure sur la page Millennium. Pour utiliser le chat Millennium, ouvrez les options, bouton en haut, puis cochez tout, ça enlève les messages inutiles. Ouais, mais au pire, ouais, on va faire, attends. Cocher tout.
the fuck. C'était mieux avant. Vous pouvez me faire une dédicace, donc dédicace à toi Toto. Pas de sa faute si vous avez un 56K. Oh putain. Regarde les questions vite fait. Il y avait une notification. Ah ouais, bon, je regarde des questions sur Twitter aussi. Tu es prestige combien sur BO2? Il est prestige combien? Moi personnellement je suis 2 ou 3. Vas-y, regarde Gotha. Je crois qu'il est 6. Tu peux le regarder comme ça. Prestige 6, Gotaya. Agony, prestige 2 de niveau 55, donc prestige 3. Diablo, il a recommencé un compte. Il a recommencé un compte, donc il est niveau tout simplement 41. Et moi je suis prestige 2, level 47. Combien t'as de ratio? Moi pour ma part j'ai 3,10, 3,20. Gotha il a 3, entre 3,50 et 3,80. Toi d'accord? Moi aussi dans les alentours de 3. Ouais. Dans les alentours de 3. Et Diablo, je sais pas du tout. Il change tout le temps aussi de compte. Il change tout le temps de compte, donc en fait ça commence à être difficile à savoir son ratio. I love you, Louane. Vous allez faire que de la ligue? Non, non, non. Après, normalement, on va essayer de jouer avec des abonnés, tout ça. Perso, mettez la qualité à fond, mais il faut penser vite fait aux autres. Comment rejoindre le chat? En tout simplement en mettant un pseudo juste avant de te loguer. Pourquoi vous ne jouez pas sur PS3? Possible d'avoir une dédicace à toi, Tom. Pourquoi vous ne jouez pas sur PS3? Tout simplement parce qu'on en a pas, et pour l'instant, les plus grosses compétitions et la plupart des compétitions sont sur Xbox, tout simplement. Est-ce que tu es vraiment le French campeur? Oui, tu trash talk bien, ça. Et de loin. Combien de ratio? Gotaga, combien de ratio il a? J'ai dit 3,50, 3, entre 3,50 et 3,80. Quel 106? Donc avant, moi, sur les codes, j'ai tout le temps joué dans les 106 basses. Enfin, à part au début où je jouais en 106-10 sur code 4. Après, je suis passé dans les 106 basses, entre 2, 3, 2. Et au début du jeu, je la jouais en 4, c'était assez bas. Et je me suis mis en 8 il y a ça 3-4 jours. Voilà. La mythique, ça existe encore? Non, la mythique, ça n'existe plus. Tu me fais une dédie? Bad Code Player dédie, Walid dédie. Est-ce que vous allez faire des games avec les abos? Ouais, je viens de le dire, on va faire des games avec les abos. Vous avez déjà joué à Call of PC, il y a 30 fois moins de lag. Bah, le truc Call of PC, c'est que pour être bon sur un jeu PC, il faut vraiment le squatter. Et nous, vu qu'on a squatté la Xbox, voilà, on va pas aller sur PC pour au final repartir à zéro. Quoi. Possible de me faire une dédicace? Dédicace Lucas. Quel est votre Call of Duty préféré? Pour moi, c'est Code 4. Toi aussi, ouais. Vous êtes revenu, vous? On repart en ligue? Vas-y, mais je vous repasse Gotha et Diablo, et puis nous on va de l'autre côté pour jouer, et voilà. Si vous me renvoyez pas. Allez. Ouais. Ouais, bien sûr. Bon, les gens, j'espère que Loan vous a pas trop dit de cochonneries. Et puis on est reparti donc. On a parlé avec un peu quelques membres de Minium, parce que tout à l'heure on les voyait qui regardaient le stream justement. Et on est assez content, donc on est plutôt content, et tout ça c'est grâce à vous, donc je vous remercie encore. J'espère que vous aimerez ce live. Désolé à ceux qui peut-être lag un peu. On essaie de faire notre maximum, on peut pas combler tout le monde, c'est à dire que si on baisse, ça va faire un stream comme sur ma chaîne, la qualité sera pas forcément top, et là aussi des personnes vont dire ah, la qualité est pas top et tout, donc dans les deux cas personne ne sera content et on peut pas voilà combler tout le monde, donc j'espère que vous aimerez quand même, et puis voilà quoi. Mais en tout cas on fait notre possible, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais. Vas-y, donc on relance les abonnés, comme j'ai dit, nous reconnaissez quoi, mettez dans votre clan tag M ou Abo ou n'importe quoi, Gotha, Go, DZT, Loan, n'importe quoi. Comme ça on vous fera un petit coucou, ça sera sympa. Moi je vais mettre des séries de points plus haut, histoire de peut-être voilà, faire un peu plus de spectacle, je sais pas, parce que ça se trouve vous attendez peut-être à des plus gros scores. Et puis je sais que mes coéquipiers de toute façon seront là avec les score tricks au cas où. Si on tombe. Donc alors je suis en train de regarder. Enfin Gotaga il était méchant avec nous. Pourquoi Gotaga était méchant avec nous? Ah d'accord, c'était Loan qui était sur le. D'accord. T'as dit quoi petit salaud? Tu vois, il y a des gens ils m'ont tweeté Gotaga il était méchant avec nous. Non, j'ai rien dit méchant, pas sûr. Gotaga ils ont dit, il était méchant. Tu vas venir à Toulouse? Je pense pas, enfin en tout cas pas maintenant. Parce que là, on repart demain, je ne sais pas à quelle heure. Et dès que j'arrive chez moi, je fais la vidéo sur Millennium pour. Pardon, l'Orangina. Pour vous parler de Millennium, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en a beaucoup.
ici qui connaissent sûrement Millennium via le PC. Vu que la plupart d'entre vous viennent de notre part des consoleux, vous connaissez pas forcément Millennium, et donc je vais en parler dans une vidéo. Je vais vous faire une vidéo, j'avais commencé la nouvelle série nucléaire, enfin bref, il y a plein de séries qui vont arriver, que ce soit pour Loan, Agony ou Diablo, de toute façon on va vous préparer plein de vidéos, les vidéos en ligue aussi vont venir. Non, bref, il y aura pas mal de trucs, et dimanche sur ma chaîne on repart aussi en live en 360p. Donc là tout le monde aura, voilà, logiquement tout le monde pourra suivre le live, il n'y aura pas de personne qui lagronde, à part si c'est ma connexion, mais bon voilà. BG avec le Pulminium, bah merci, franchement le Pulminium il est vraiment beau. Il est vraiment bien en fait, c'est-à-dire qu'on est bien dedans, c'est pas... Par exemple celui d'Apex, c'est pas pour cracher sur Apex ou quoi, mais celui d'Apex en fait il était pas... Enfin je sais pas comment expliquer. Après il tenait hyper chaud celui d'Apex, hein, je vous cache pas qu'il était hyper chaud, mais genre même remonter la manche c'était un truc, ça faisait trop mal au bras, je sais pas pourquoi. Sûrement la matière qui change, enfin bref, je raconte ma vie, désolé. Wow. Session de jeu n'est plus disponible. Alors là si ça nous a compté pour une défaite, je vous dis je gueule. Oui, oui, gars. Le groupe n'est plus actif. Donc le N, hein, je t'en prie. Un petit bug. Non, je rigole, il était super avec nous, d'accord. Tu t'es bien rattrapé, toi, hein, Toxic Shooter. S'il te plaît, peux-tu répondre à la question? Peux-tu faire des rencontres abonnés sur Paris? C'est prévu. Le problème, c'est qu'il faut trouver la date. Et Ouh, j'ai vu un petit truc Master que t'as dans mon pseudo. Tu l'as vu toi aussi? J'ai vu pendant une seconde, il y avait des trucs Master que t'as fait à côté de mon. C'est un signe, les gars, c'est un signe. Dès que Diablo est là, tu fais voir classement et regarde la série encore. Je crois que. Tu veux pas voir classement? Ah ouais, faut terminer les parties classement. Bon, j'espère qu'ils vont pas nous douiller sur le coup parce que là. Combien il y a de personnes sur le stream? On est quasiment à 8000. Bon. On est presque 8000, donc il y a 8000 témoins au pire. Donc là, par contre, je crois qu'on n'est pas tombé contre des abonnés. Donc là, ça risque d'être chaud. Division argent grade 5, ça veut dire qu'ils sont 5e de la division c'est argent. SMD. Et c'est de la recherche. Et moi, j'ai mis des score tricks de bâtard alors que c'est de la recherche. J'ai fait une gaffe. Bon, c'est pas grave. Bon. Ce qu'on va faire, bon, on va prendre la MSMC cette fois parce que je crois que j'ai pas fait de partie encore avec. Donc j'ai mon excuse. Et de toute façon, bon, pour les personnes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui la considèrent comme une arme cheatée, comme une arme. Voilà, moi j'ai pas de vis-à-vis par rapport aux armes. À partir du moment où la compétition ne les interdit pas, pour moi. Il y a du monde en A. Il y a du monde en A, d'accord. Bon, par contre, en recherche, c'est chaud pour la com, du coup, vu qu'on s'entend pas entre nous. Enfin, si on s'entend entre nous, mais. Mais Diablo n'a pas. D'accord. Il a manqué par là ? Ah si. Bon bah j'ai rien fait. Hein. Je crois que je vais être spectateur de mes coéquipiers. Je kiffe tes vidéos. Bah merci à toi Zotodolu84. Me taguer en direct, tu lis pas les messages. Si oui, en combien de temps as-tu monté tes armes en diamant STP ? Bah la preuve que si, je les lis. Et en combien de temps je les ai montés ? On a fait 3 jours avec Ago pour les monter. Enfin, j'avais bien déjà commencé avec quelques armes. Puis je connaissais pas trop le truc diamant et dès qu'on a vu quelques vidéos comment l'avoir en diamant, on a fait nos 100 headshots, on a fait nos kills en accessoires en 3 jours, on a fait toutes les SMG, la plus chiante c'était la... Un derrière le... Merde, j'ai pas de stun. En face de moi. Bon. Encore en face, toi si je te la mets. Hop. Bon. On est bien parti les potes, hein. Loan, tu penses que t'as le start en full green? Penses-tu que t'as le start en full green? Pour être sûr que les personnes en face ne rage quitte pas et qu'on se tape une défaite comme dans notre épisode de League, je pense que vous l'avez. Ouais, vous êtes... Non, c'est pas toi qui l'as. Bon, point négatif, c'est que les personnes en face peuvent rage quitte. Ouais, tu peux. Les personnes en face peuvent rage quitte et donc on peut se taper une défaite, c'est le point négatif de la chose. J'espère que ça. En plus, c'était sur cette map qu'on s'est tapé une défaite, je sais pas, pour ceux qui se rappellent du match de League, que j'avais fait en condensé un peu. On a gagné 4-0, même à la fin, j'ai mis une grenade vers ici. À la fin, il y en a un top. Il me l'a mise. Ouais, il y a du monde en face de moi, il y en a au moins 3. Ça monte au top. 1.
en attente. Deux. Élimination confirmée. Trois. GG. J'aurais pu me laisser le dernier quand même, hein. Je voulais faire le 4. Il les a défoncés. Loan, je veux dire, il avait beaucoup sur moi, il s'en foutait. Hein. Il est venu à la fin, tu vois. Juste pour faire genre. Non, que ta gueule, je te laisserai pas le full team. Aimes-tu la M27? Ouais, j'aime bien la M27. Le problème, c'est que. Bon, de près, si vous êtes face à des SMG qui savent jouer, vous êtes dans la merde, tout simplement. Parce que certes, elle est très précise, mais il faut beaucoup de balles, beaucoup, beaucoup de balles. Après, je sais pas trop si je mets un drone. Je sais pas trop ce que ça fait en. Ce que ça fait en LAN, s'il faut aussi beaucoup de balles ou pas. Bon, d'accord. Bon, ça a l'air d'aller plutôt vite. Il n'est pas des flemmards. Ça pique aux fesses. Bon, je les contourne. Wouh! Heureusement que là j'ai le gilet pare-balles. Hein. Heureusement, parce que tu vas voir la kika. En plus, j'ai cru que c'était une bêtise, donc je me suis allongé comme un con. Et regarde, tu vois. Oh, une clé mort. Bon, 4-0, espérons qu'il quitte pas. Ça a l'air bon. Tu déchires, mec, continue. Bah, merci à toi. Donc, oui, pour revenir à la question des armes en diamant, on a mis 3 jours. Ouais. On a mis 3 jours avec Ago pour les faire. Les AR, je les ai commencés. Donc, j'ai la type 25. La K47, la Mite 1 et la M27 en or. Nickel. Bon, il nous reste plus que 2 parties. Et puis, bon, pour avoir notre classement, donc j'espère qu'on fera un platine directement. L'autre fois, on avait fait platine directement ? Non. Non, si on avait fait platine. Non, pas platine. Je sais qu'on était. Ah, si. Donc, on est tombé contre une équipe. En quoi on recherche vite mes séries de points ? J'ai réussi à en mettre une. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à mettre ça. C'est nickel. Samir est parti, je sais pas quoi faire. Donc on est 3 contre. J'ai dû prendre une classe quand même. Si on revient pas à temps. Donc je prends une classe au pif. Hein. Voilà, SND, de toute façon, il y a marqué dessus. Bon, on est parti. Je vais prendre le sniper. Juste la première manche. Si je me fais péter, je change direct d'arme. T'as une MP7, mec. Bonne chance. Je sais pas si t'allais revenir à temps. Je vais tenter le pré-shoot. Déjà ? Y'a personne. Un mid. Ouais, y'en a un mid. Il avait un mid. Oh, dans l'intermaison. Ouais. Y'en avait un mid. Intermaison 1. Top derrière vous, top chez nous. Là ? Ouais. Il est monté ? Non, il est mort. Il pose, je regarde devant toi. Il pose. Et il est en face, au B. Vers le top du B, Charge placée. Ouais, top du B. Non, GG les gars. Bien joué. Bon, je vais garder le sniper. Hein. Puis dès qu'on perd ou dès que je me ferai tuer, bah je changerai. Loan, on est combien sur le stream, tu sais? 8216, putain, mais franchement, c'est vraiment énorme. Hein. Il est 19h37, j'ai l'impression qu'il est minuit, En fait, là, c'est la fin de l'après-midi, le début de soirée, et ça fait plaisir d'être autant en jour de semaine, franchement, un grand merci à vous. Et on espère que vous kiffez et vous allez continuer à kiffer, tout simplement. Y'a personne qui est passé au. Ah, si, j'ai mis un pied, non? Il est où? Oh, il est mid. Oh, tu l'as vu. Il y en avait un à go. Hein. Là ? Ouais. Ah ouais. J'ai. Terreur à terre ! Bombe armée. Dedans, en face de toi, l'homme. J'ai 2v1. Il a te fait tirer dessus. Il y a le container, à droite, les gars. Il va arriver à gauche. Oh, c'est bon, Bien joué. Préparez-vous pour la suite. Désolé si je fais pas délicat, c'est qu'en fait, là je vous jure, la chatbox ça défile. Je sais pas si vous l'avez. Enfin, je pense que là vous voyez aussi. Ça défile un truc de ouf. En plus, je comprends pas trop parce qu'il y a des. Enfin, il y a des adresses, il y a des webchats@nico. Enfin, c'est chelou. Donc.
changement de point de départ. Je comprends pas trop encore le système, mais ça va venir au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Désolé, Gota, je vais aller manger. Bah, t'excuses pas, mec. Hein, t'excuses pas, tu es libre d'aller manger. Déjà, merci à toi de nous avoir suivis. Puis bon appétit, tout simplement. Et puis, comme je t'ai dit, on reste jusqu'à 23h, donc. T'auras le temps de revenir. À gauche, à gauche. Ouh, putain, j'aurais pu l'avoir. Il est passé B. La bombe est posée. J'arrive vite fait dans le dos. Il reste combien? Ah, un seul, ok. Je pensais qu'il en restait plusieurs, mais bon. Vous avez l'air de bien gérer. Bien joué. Bon, on est bien parti pour remporter 4-0 cette map. Désolé, mais à 20h30, je vais y aller. T'excuses pas non plus, Alexis. Si. Déjà, ça, grand, à partir du moment où vous êtes passé, déjà, ça nous fait plaisir. Et puis, on reste jusqu'à 23h. Ça se trouve, on va même continuer un peu. On sait pas trop. Je vous cache pas qu'on a eu. Ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas dormi vraiment une bonne nuit. Donc, je vais pas me faire avoir deux fois par contre là. Il y en a un mid. Ouais, il y en a un mid qui va arriver là, logiquement. Non. Il y en avait un mid. Gauche, vous l'avez tué ou pas? J'ai fait 2 kills au début de la manche, après bah j'ai plus rien fait, d'accord. Bien joué. Bien joué la scène au passage. Un truc qui m'a fait rire. Les autres s'excusent pour vous faire alors que moi j'ai commandé des pizzas et du coca pour rester toute la soirée. Là, c'est cool. Nous on a bien mangé avant pour être sûr. Bon, plus qu'une game, vas-y Luan, lance. Hein? Et quoi, il a quoi? Je sais pas, il est en mode bad. Je suis fatigué. Il est crevé. En fait, on s'est couché aujourd'hui à 10h, 10h30. Agony, il a pas dormi du tout pour vous dire. Pour Samir, ça a été un réveil dur. On a dû mettre une heure pour le réveiller. Et ouais, parce qu'on devait se lever à 13h et c'était vraiment. On n'est pas habitué pour ça. Et en plus, on voulait pas trop faire de nuit blanche pour pas qu'on ait trop de tir en arrivée devant la cam et en face de vous. Gotaga dit yop tout le monde. Yop tout le monde! En plus, normalement, dans la vidéo, il devait y avoir marqué yop tout le monde et. Luan, t'as expliqué le truc des pubs? Non, j'ai répondu aux questions. De quoi? J'ai répondu. Ah, donc Luan a oublié de vous expliquer un truc parce que ça peut faire bugger aussi, c'est-à-dire que. À chaque fois qu'on sera normalement entre les parties. Un membre du staff qui sera en bas, donc l'étage en dessous, parce que c'est eux qui gèrent tous les streams et tout ça, lanceront une page pub. Donc c'est ce qui sponsorise Millennium en quelque sorte, c'est grâce à ça qui nous envoie par la suite en LAN. Qui nous... Ouh, attendez, en face on a du Master, je crois, ou du Platine. Moi je suis plus là. Bon, on avait du Master ou du Platine, mais ça a l'air de bugger. Tant pis. Donc, c'est oui. Logiquement, entre les games, à chaque fois, un membre du staff lancera une pub. Donc, voilà, c'est ce qui nous aide à développer Millennium, plus ou moins. Donc, je préviens maintenant, ce qui paraît, il y a quelques bugs. Donc, il faut vous prévenir maintenant, si vous avez un bug d'affichage, un écran noir ou quoi, actualisez direct, actualisez pendant, je sais pas, 8 secondes. Et. De quoi? J'ai plus de connect ici. T'as plus de connect sur le PC? Ouais. Je sais pas, en connexion groupe, il y a eu 129 frame drop, donc on a une petite coupure, je pense. Ah là là, les aléas du live. Okay. Moi, je suis toujours en recherche de partie. Hein. Ah, je peux pas vous inviter. Bon, on va attendre un peu. Écoutez, vas-y, invite-nous. FRB, Lon.
Je suis toujours connecté moi par contre. Hein. Moi, reviens en arrière, Samir. Donc ouais, les aléas du live, malheureusement, on n'y peut rien. Les lives sont 10 fois mieux que sur YouTube. Bah ouais, c'est aussi pour ça un des avantages sur le Millennium TV. C'est que la qualité est beaucoup mieux. La chatbox, elle est facultative, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que si vous ne voulez pas voir les commentaires, parce qu'en général, les commentaires font la gay, vous n'êtes pas obligé de les mettre, tout simplement, donc c'est plutôt pas mal. Je vous passe sur la fille. J'ai plus internet. Il a dit quoi? J'ai plus internet. Yves, il a dit ça? Moi, j'ai plus internet. Moi non plus. Il va nous mettre sur la fibre. Tout le monde? Ouais. Dis-le, Gota. Dis-le. Donc, ils vont nous mettre sur la fibre, à ce qu'il paraît. Donc, désolé, on va encore vous faire un peu attendre. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est un coup. Comment? Ouais, c'est la prochaine fois, je vous le dirai dans la vidéo, la prochaine fois qu'on viendra stream ici, parce qu'on va venir fréquemment à la Gaming House, déjà pour faire des streams de qualité, et ensuite pour s'entraîner pour nos prochaines LAN, parce que oui, jouer tous les quatre ensemble, en condition LAN plus ou moins. Comment? Ouais, en plus ça fait une super ambiance de ouf, alors que... Je vais faire le test de connexion et je te dis ça tout de suite. Mais ça a coupé d'un coup. Hein? Ça a coupé d'un coup. C'est la DSL qui a sauté. La DSL qui a sauté. C'est grave pour moi. Mais par contre le stream il a pas sauté lui par contre. Non. C'est des connexions différentes, on a trois connexions différentes. Oui, il y a trois connexions différentes à la Gaming House, hein, pour vous dire. Il y en a même quatre et physiquement il y en a trois. Non mais tant mieux que ce soit l'Xbox qui saute plutôt que le stream parce que ça aurait été le stream. Donc je fais le test de connexion, logiquement ça devrait marcher. C'est bon. On est en fibre là? Ouais. Moi je suis pas en fibre moi. Je suis en wifi. Ah oui, forcément c'est en wifi ouais. Attends. Je sais pas. Tiens. Ah là là là. Bon, j'en profite pour voir vos commentaires. Non, pas de défaite. Je pense pas qu'on va avoir défaite parce qu'on a même pas commencé la game. Enfin, j'espère. Donc moi la connexion à moi ça marche hein, chez moi donc Moi aussi ça marche aussi hein. Donc là ça veut dire qu'on va avoir une connexion de malade peut-être. Hein? Toi t'as pas d'écho non? Toi t'étais le seul à pas non d'écho. C'est juste sur son PC qu'il a été l'écho. Sur mon PC je suis en wifi. C'est bon t'as quoi? Je suis dernier. Moi c'est bon, moi je me reconnecte et j'y retourne. Hop, on lance Black Ops 2, désolé pour ce petit désagrément. Comment peut-on avoir pull STP? Faut être chez Millennium pour avoir ce pull. Il manque encore une partie, ouais, il manque encore une partie et ça sera bon. Et on verra notre classement. En mode quick oxys, tropical, bédo, gotha, bonne soirée qui s'annonce. Bah, content que tu kiffes en tout cas Warstyle 9Z, je sais pas si ça se prononce comme ça. Hop. Hop. Vas-y Loan, invite-moi. Moi j'ai invité tout le monde. D'accord, là c'est parti, j'arrive. T'as rebuté la box ou pas ou tu les as juste changé de chambre? Dominance Mac, I see you. J'ai envie de voir juste quand t'as vu à la cam. Ah dommage, j'aurais kiffé. Quoi? Sur quoi hein? Marche pas. T'as rien? J'ai mal remis. Grand. Ouais, on va dire que c'est bon comme ça. Merci à tous pour mon message en tout cas. Comme j'ai dit, hein, à propos de la cause, c'est juste qu'ils sont en train... Ah, oh, j'ai encore eu le logo master à côté, pendant quelques secondes.
C'est ça en fait, c'est parce qu'en fait en ce moment il y a la fibre optique qui. Tu sais qu'on a tout recommencé ou pas? Non. Si les 5 parties, regarde. Non, parce que t'es pas dans la game. Sûr des 4 qui sont dans la game, et puis. En fait, c'est par rapport à l'équipe, ouais, en fait, c'est par rapport à l'équipe. Ouais. Okay. Par rapport à l'équipe. Si tu vas jouer tout seul, ça en fait pas sur ton truc en équipe. C'est bon là c'est, ouais. C'est bon. Il y a quoi qui t'apprend? De quoi? Ah ouais? Moi ouais, j'avoue. Mais pourquoi en temps normal on peut pas encore utiliser la fibre? Parce qu'elle est pas configurée. On vient juste de la configurer aujourd'hui là. D'accord. Et, j'ai passé personne aujourd'hui parce que j'ai pas fait tous les tests. D'accord. Donc tu fais quoi? 4 barres là. Ouais, là ça va être, je crois que ça va être ouais. du bon truc. Là vous êtes les 4 seuls sur la fibre. C'est gentil. Ah, franchement, ouais, merci. Et il y a combien de personnes sur stream à vrai? Alors, ben, je ne sais pas. Tu peux pas te connecter en wifi? Diablo veut faire des petits secrets. N'oublie pas de rejoindre la game. Moi je vais voir vite fait en bas et je reviens. A tout de suite les gens. Quelqu'un prend la suite ou pas? Je vais voir juste avec les mecs en bas. Quelqu'un prend la suite ou quoi? Ah je vais. Je prends la suite. Je reste. Vas-y. Juste invitez-moi et faites-moi rejoindre s'il vous plaît. C'est bon? Ça marche? Désolé, c'est orange. Des fois il pète un câble et voilà. Mais il est invité, Diablo. Normalement, il est invité. Donc là, je vois des frame drops, c'est pas normal, mais. Donc moi, comme je vous dis, comment dire, essayez de tweet Gotha parce que la chatbox ça défile vraiment trop vite. En fait, les tweets, je peux les retrouver. Là, vu que sur la chatbox, ça va vraiment, ça s'arrête pas quoi. Donc posez-moi les questions sur le Twitter de Gotha et moi j'y répondrai. Si Gotha vous gérez, juste moi j'ai un gros décalage. Désolé, projet Malzer. Vous n'avez pas intérêt à faire laguer le Legendator. On va réactiver tout ça. Lohan, c'est quoi vos armes préférées? C'est quoi tes armes préférées toi, au lieu d'être sur ton téléphone là? C'est quoi toi? M8, après il y a la Falotto qui fait mal. Il y a. Falotto et il y a MSMC, enfin toutes les SMG font mal Kem. Et toi du coup SMC, encore je sais même plus comment. MSMC. SMC, ouais. La FDW aussi. Alors FDW. C'est pas la PDW? Ah, PDW, voilà. Ok, on voit le mec qui s'y connaît quoi. Allez. Donc, quoi d'autre comme question? Vous irez sur PS3 ce soir? Non, il n'y aura pas de PS3, tout simplement parce qu'on n'a pas de PS3. Depuis combien de temps vous faites des vidéos? Fait des vidéos depuis. Moi, ça fait. Depuis juillet, je crois. Et Gotha, ça fait quasiment un an et demi, je pense. Et Agony, il a commencé il y a une semaine et demie. Samir, une semaine. Ça fait un mois, non? Et Samir, un mois, ouais. C'est ça. Comment avoir ses armes en diamant? Vas-y, explique, toi, vu que tu le fais. Moi, je me fais pas chier avec ça. À la SMG, on doit faire 100 headshots. Après, on doit faire 150 kills, sans atout et sans accessoires. Voilà. Et c'est bon, je crois, après. Et non, il faut le faire sur toutes les armes aussi. Ah ouais, sur toutes les SMG, ouais. Ah, voilà. Sur toutes les mitraillettes. En gros, il faut débloquer d'abord tous les camos. Sur toutes les SMG pour pouvoir les avoir en diamant, c'est ça? Ouais. Ok. Je t'aime, Lohan. Moi aussi. Demande à Lohan, il aime Dean Burbigo. Ouais. Vous jouez avec quelle manette? Moi, je joue personnellement avec une Scuf, Gotha avec une Burn et toi avec une Scuf, et Diablo avec une Scuf. Voilà. Dédit de Vincent à Allison. C'est fait. Tu es beau, je sais. Une petite question simple. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous jouez sur des écrans d'ordinateur, c'est ça. Salut déjà, bravo pour le live. Et comment tu peux me dire l'accessoire qu'il faut mettre sur MSMC pour qu'elle soit très redoutable? Donc tu mets canon long et après quelque chose pour recharger assez vite. Ou un long chargeur. Ma team préférée, les mecs, vous gérez. Merci, c'est super gentil. Pour combien de temps vous êtes engagé avec Millennium? C'est un an. Ouais, je crois. Dédicace à la team TMT. Eux, ils sont souvent là. Je les vois souvent. Millennium, c'est votre team officielle, c'est ça. DZT, pourquoi il ne joue pas à SMG si c'est le Slayer? Parce qu'un Slayer ne joue pas forcément à la SMG. Tu sais
simplement. Lohan dit yop tout le monde, c'est Gotaga, c'est fait. Non mais tu l'as mal fait. Ah ben je peux pas. Yop tout le monde, c'est Gotaga. Hein. Mais rien, de rien mec. Vite là. Si j'ai invité gars. Mais j'étais en ligne, je t'ai pas connecté. Eh ben tu peux t'en invite. Hein. Allez encore. Bah oui. Dis-moi Lohan, j'ai acheté Millennium, donc dédié à toi pour venir. Ah bah t'arrives. Donc, mec, c'est qui à côté de toi? Juste à côté de moi, c'était Agony. J'adore ton humour. Dites à Millennium qu'il aurait pu choisir un autre nom. Un nom coupé. Ah ouais, mais bon. Le truc, c'est qu'en fait, ça aurait pas été piqué. Une lettre à tout le monde. Le truc, c'est que ça, par exemple, des mecs comme Gotha, son GTA a été piqué par. Ok, tu l'as piqué bien ça. T'inquiète. Ouais. Ouais, j'ai bon, ok, ça va pas d'embrouille. C'est quoi Millennium? T'as l'air bien. Bah, ça, on l'a expliqué dans la vidéo qu'il y a eu tout à l'heure, donc vous la retrouvez peut-être sur ta chaîne, la vidéo. Non, il m'avait dit que tu pouvais. Hein. Donc voilà. Combien de temps vous jouez par jour? Ça dépend. Il y a des jours où on va pas jouer, il y a des jours où on va sécher. Attendez, pour les personnes qui ont pas eu le truc de tout à l'heure, au pire, je peux le repasser. Hein. Demande-leur qu'on a passé mais un non, truc. Non, repasse tout de suite. Ouais, vas-y. Je repasse. Vas-y, mais je te laisse la chaise. Vas-y, bon, je passe ça. Va. Tu l'as bien chauffé. C'est tout chaud. Donc, alors, excuse-moi, là, pas de soucis. Je vais repasser le truc que j'ai mis tout à l'heure parce que certaines personnes l'ont sûrement pas vu. Parce que quand je l'ai passé, on était combien de viewers à peu près, Lohan? On était 5-6 000. Donc là, on va le repasser une nouvelle fois en espérant que vous allez mieux. Pardon. Tout simplement. Allez, je vous le mets. Lohan Granixny, Lohan sur le jeu, je suis un peu le joueur défensif de l'équipe. Donc moi quand j'ai appris qu'on allait rejoindre Millennium, j'étais très content parce que pour moi Millennium ça représente un peu le professionnalisme, c'est un peu le rêve de tout gamer, donc on va dire ravi et très très fier d'avoir la couleur violette sur les maillots. Rentrer chez Millennium c'est aussi avoir l'opportunité d'avoir une gaming house, donc à Marseille. C'est un gros plus pour nous, sachant que Millennium c'est la seule structure en France qui a une gaming house et forcément sur console on n'a jamais vu ça encore. Et voilà, l'accueil a été énorme, toutes les personnes dedans sont géniales, donc franchement c'est que du bénéf pour nous. Salut à tous, c'est Maxime Di Falco, aka Agony. Alors quels sont nos objectifs pour l'année 2013 chez Millennium? Donc c'est déjà faire terminer top 1 pour toutes les LAN européennes et françaises. Et on va tout faire pour y arriver. Et je pense que Millennium vont nous pousser derrière, vont nous pousser pour y arriver. Salut à tous, donc c'est Samir, mon pseudo c'est Diablo the Tank. Je suis le slayer de l'équipe, donc c'est-à-dire que je vais devoir faire le plus de frags dans l'équipe. Donc je souhaitais passer un petit message à toutes les personnes qui nous suivent, donc pour suivre encore l'actualité, donc je vous conseille d'aller sur le site millennium.org et pour toutes les personnes qui ne nous connaissent pas encore, bah vous allez apprendre à nous connaître. Donc voilà, on se retrouve pour ceux qui l'avaient pas vu. J'espère que. Voilà, en plus vous pouvez voir. Bref, pour ceux qui l'avaient pas vu, moi en tout cas, je suis bien content de ce petit trailer en quelque sorte. Je sais pas pour vous. Moi je le kiffe plutôt pas mal. Là, je suis en train de voir le chat qui s'actualise, un truc de ouf.
Il n'y en a pas de score caché? Non, il n'y en a pas. J'ai testé, d'ailleurs, j'ai pété mon ratio de victoire parce qu'il y avait un petit malin qui m'avait dit c'était en mêlée générale, fallait pas mettre de série de points et faire 25 kills sans mourir. Et au final, arrivé au 25, il s'est rien passé, j'ai eu le seum et. Bref. Déchire le montage, nice le. Bah, c'est cool que ça vous plaise en tout cas, ça fait grave plaisir. Donc, nous on y retourne, c'est bon Samir? Ouais, bah, je suis dans la game là maintenant. Donc voilà, il nous reste une game, cette fois-ci y a pas de bug, c'est parti. Donc, ouh, si on peut se retrouver direct. Direct, 4 joueurs direct. Allez les gars. Alors, platine, master, vite mes séries de points. Ouh, Alexis. Un capture drapeau. Bon, celle-là, allez, on y go à fond. Oh merde, j'ai eu la série de points. C'est pas grave, j'ai le E, ok par contre. Sur glace? Ok. Je sais pas si vous avez entendu sa blague de merde, mais c'était vraiment de la merde. Faut et Gota, les chewing-gums là-haut, l'équipe? Ouais, l'équipe, tiens. Ah, j'avoue. Tiens, l'équipe. Loan! Ah, ça va. Capture du drapeau. Ouais, ça commence direct, ça commence direct. Ah, sérieux. Alors, je vais me prendre 3 paras. Je la balance, Gota. Non. Tu l'as vu, vas-y. Je vais mourir dans mon dos. Wow. Ouais, ça passe à mort chez nous, ça passe à mort chez nous. Loan, rail. Nice, Loan. J'ai mon tap de chez eux. Ouais. Ah, chez eux. Mais les deux derniers sur leur drapeau. Au fond après, à go. Au fond. Ah, c'est bien ma tactique, hein. Là, il a dû dire à son pote, il est stun. Ah, watch out. J'y vais chez nous. Coco chez nous, par le fond, dans le couloir. Ouais, il y est. Attention, celui-là. Derrière moi. C'est le dernier. Derrière moi, il arrive. J'ai la droite des mid. Enfin, j'ai notre drapeau quoi. Et des beaux connects. T'as le mid ou pas, Loan? Non. Chez nous. Ouais, il arrive à ma gauche. Eh les gars. Ouais. Ils sont passés par le top les gars. Annexi, je crois c'est une team compète hein. Drone de brouillage. Faut faire gaffe, faut jouer sérieux les gars. J'ai un drone. J'ai mis un brouillage. Drone ennemi en approche. Ils sont arrivés à deux par le top. Un mid. Les gars, deux top chez nous. L'ennemi a pris notre drapeau. Il passe pas par nous, on a respawn à droite. Approche. Flag. Coordonnées de foudroiement reçu en approche. Oh, allez, ça va, il arrive. Poubelle chez eux. Ils ont respawn à lui, On a le drapeau. Attends. Il est reparti. Il est à droite. Drone en attente. Je l'attends top. Derrière vous, là, tu regardes derrière. Arrive. Il est là, il est vraiment. Ça vient. Drone de voyage. Foudroiement en attente. Ah, j'ai. Bon, j'ai un foudroiement. Par contre, t'as un Dragonfire. Top. Tape chez nous. Attention, drone ennemi en approche. Je garde mon foudroiement au cas où. Et sortez-le. On a le drapeau ennemi. Eh, l'autre est chez nous. One shot. Ouais, le dernier est flag top. On a perdu leur drapeau. Notre drapeau est perdu. Artilleur d'Adav ennemi en approche. J'attends un couleur mec. Mort couleur. Non, j'ai le récup. Top 30. Non. Top 30 au-dessus de toi, Loan. Il est juste au-dessus de toi. Fais gaffe. Est-ce qu'ils enchaînent pas? Non, tu seras pas à temps, je pense. Artilleur d'Ada avant l'attente d'ordre. Ils ont tous fantômes par contre. Il est Rindel. Là, c'est une game show, les potes. J'ai un drone. J'ai déjà mis. Artilleur d'Ada ennemi en approche.
J'ai masse tactique, tu vois, donc ça devrait aller logiquement. Top, il va arriver, top. Nice. Arrête. Bien joué, les gars. Drone en attente d'ordre. Donc pour les foudrements, par contre, ça va être à l'aveugle. Il y a le tir à mi ou pas en ligue? Attention, drone en attente d'ordre. J'ai une pouvoir compte, T'es sûr que c'est pas monté top? Ouais, ouais. Mort chez nous. Encore là. Reste mon gauche, reste mon gauche. Oh le bâtard. Ce gain il est ouf quand même. Faut pas s'en prendre maintenant. Ouais c'est bon, il peut pas mettre, GG les gars. Dans la pièce à gauche, dans la gauche. Fais gaffe, le deuxième side il est chaud. Beau travail les gars, la prochaine manche va commencer. Ça fait bizarre d'être en full green, hein. C'est la première fois du week-end. C'est trop fluide. Sentinelle terrestre alliée en approche. T'as vu? Ouais, il tue vite. Capture du drapeau. Ah, c'est le problème d'avoir des grosses connexions. Quand t'as des grosses connexions, tu meurs très vite aussi. Sécuriser les objectifs. Le drone direct. Ils sont tous en fantôme, hein, donc ça sert strictement à rien. J'ai même carrément enlevé le drone pour le prochain. Je monte top. T'as rien top chez eux. Je le vois pas. T'as rien top chez eux. Attends, regarde. Il est où derrière. Je passe sur toi, Samir. Ça arrive. Samir. Va l'aider. Ah non, à côté chez nous, ok. Je croyais que t'étais. Dommage. Le gardien en même temps, il nous a fait perdre du temps, un truc de ouf. L'ennemi a pris notre drapeau. Notre drapeau est perdu. L'ennemi a pris notre drapeau. Attention, artilleur Dada, l'ennemi en approche. Essaye de prendre. Non, à droite. Le top, le drapeau. Derrière moi. Chez nous. Faites gaffe, j'ai gagné du temps, mais. Tu aurais pu récup. Le porteur ennemi est à terre. Non, mais t'aurais pu récup, Samir. Il est à côté de toi. Le drapeau est à côté de toi, t'aurais pu récup. Ils ont pris notre drapeau. Je suis à droite, je suis à gauche. Drone de brouillage en approche. Drone en approche. L'ennemi a pris notre drapeau. Il y en a un qui attend mine. Artilleur Dada avant la tombe d'ordre. Il y en a un qui était sur moi. Derrière toi, derrière toi. Là, le drapeau est. Il est top. Drone en attente. Notre drapeau est dans la base. Je passe avec toi, Lon. Il va être très haut dans notre coin. Chez nous. Non, sur moi. Notre drapeau est perdu. Allez, 3 de mort. Full. Je lui dis que ça respawn. Ça va être à ta gauche celui qui arrive chez eux. Ah, ils sont flag, Il va à gauche. Vas-y, prends. On a le drapeau ennemi. On a perdu leur drapeau. C'est tout ça, là. Artilleur Dada avant la tombe d'ordre. Couleur. Attention, artilleur Dada avec l'ennemi en approche. Il manque un. Ah putain, Midel. Il est toujours là. Mais des one, hein. Eh, y'en a un là. Le porteur est à terre. Non, les gars. Nouvelle,
tailleur d'Ada Vénus en approche. Drone en approche. Drone ennemi en approche. Il est pareil, c'est pas fait, pareil. Ah mais non, il est pas para, putain. Ça prend. Samir, Samir. Ils t'ont vu, Samir. Ils sont derrière deux, fonctionnés. Grenade paralysante. Il a pas vu. Artilleur d'Adav en approche. Lance grenade X7. Oh là là, ils ont pris trop cher. Drone de brouillage en attente nord en marche. Regardez, On a perdu leur drapeau. Il prend, prend. Il a pris notre drapeau. Drapeau, il est là, il passe mine, Ouais, c'est mort. Je crois qu'il y a. Stopwatch. Il y a égalité. C'est quoi? Stopwatch. Prolongation. Capture du drapeau. Tu vas à droite, Godin ? Ouais. Personne ne veut flag camper là ? Sécuriser l'objectif. Je devrais flag camper avec une SMG, je pense. Faudrait pas viser le drone. C'est à droite. Il va revenir. Non, à droite, il y en avait un à droite. Non, Clarmidel. Ah, tu l'as eu, ok. Non, j'ai le chou, Godard. Clarmidel chez eux. Je sais pas. Est-ce ça. Droite, on a le drapeau ennemi. On a perdu leur drapeau. T'as encore un chez eux. On a le drapeau ennemi. Attends, Godard. Reporteur est à terre. Rai. Drone en approche. Vigilone. Drapeau ennemi en place. Et rends les fous, J'ai le one, allez les gars, 3-3-3-3-3-3. Il va arriver devant toi, Là devant toi, Gotha, devant toi plutôt. À ta gauche, Gotha. Ennemi en approche. Il était dans le train, tu l'as vu là. Ouais, sur toi, nice, GG. Valider, cours, t'es passé. Revenez avec lui, Voyage allié en approche. Non, le drapeau est dans la main. Non. On a perdu leur drapeau. Artilleur d'Ada en attente. Artilleur d'Ada en attente d'ordre. Je suis en train de me gratter au moment où il arrive. Artilleur d'Ada ennemi en approche. Chez eux. GG. Drapeau est perdu. Top. Non. GG, prends Samir. Y'en a un. Ah, j'ai tué. Non, toi tu prends. Y'en a un au fond du coup. Mais j'étais deux, c'est pour ça que je disais ça. J'arrive, man. Drone en approche. Attention, artilleur d'Ada. Derrière moi, Loan. Je l'ai eu. Non. GG, prenez. Essayez d'aller tous les deux. Dans le train, putain, je savais. Y'en a à gauche du monde. J'arrive pas. Tu l'as vu. Attention, artilleur d'Ada avec lui en approche. Ah ouais, deux. Gagne du temps. L'ennemi a pris. Fais le tour, rends les fous. Passe par le top, fais ce que tu veux. Artilleur d'Ada avec lui en approche. On a perdu leur drapeau. On a mis un one. Artilleur d'Ada avant l'attente d'ordre. Le porteur est miné de la terre. Non, je... Artilleur d'Ada avec lui en approche. Non, t'as fini ? De quoi ? Pas fini, hein. Si, c'est fini. Là, il y a le side. Il y a le side. Stop watch, c'est de côté, hein. Ah oui, si, il va y avoir le temps en dessous. Le temps en dessous. Il va y avoir le temps en dessous. Enfin, je sais pas s'ils ont mis ces règles. On va voir. C'est chaud, en tout cas. Ah ouais. Bon, bah, les gars, on a pas beaucoup de temps pour le mettre. Ils vont sûrement camper, donc on doit faire vite.
Allez, c'est parti, les gars. Capturer l'objectif. C'est la dernière game. Attention, drone de brouillage ennemi activé. Dans le train, j'arrive à gauche. Il y en a un à droite. Il m'a vu. Allez, les gars, 2 minutes 6. Non, on a mis un one. Dans le train. Ouais, retourne dans le train. Dans le train, les gars, dans le train. Ah, il y a les trains. Ça passe une couloir gauche. Oh non. Cool. Non, c'est pas. Ah, tu l'as pas tué l'autre? Non, mais il y a le barnet, tu peux venir. J'arrive. Stop. C'est bon, je l'ai détruit. Il y en a deux, je crois. J'ai des voyages, j'en ai un bon d'ordre. J'ai une machine, les gars. Il doit cacher dans le. Les gars, le bordel, il faut tuer. Bah, j'en ai tué un, mais il y en a un deuxième. Il y en a deux, je crois. Non, top chez eux. Bah, top chez nous et top. Vas-y, prends le flag. Drone de brouillage allié. Faut le sortir. Ah, dans le train, dans le bâtiment. Attention, artilleur Dada. Middle, c'est le côté, allez. Nemesis 1-1 se dirige vers votre position. Couvrement allié, on approche. Ils ont perdu notre drapeau. L'un drive sur toi. Y'a qui monte à pas qui monte à pied, c'est la prochaine. Va, top chine. Top chine. Il est mort. À gauche, par rapport. Les gars, faut le mettre celui-là. Nice, les gars. Wouh. Chaud, hein. Fais la cover. Mais faut le sortir comme ça, Samir, le flag. Non, j'ai fait le double, Gotha. Mais même, faut le sortir. J'aurais sorti, j'aurais pas fait le double. T'es plus proche de moi et moi j'avais plus. Oui, regarde, j'ai fait le double. Non, mais c'est pas grave, mais tu vois, sur le coup. J'ai envie de te dire, wouh. On est des pros ou on est pas des pros? 7245 en score, mec. J'ai vu 7245. On est des pros ou on est pas des pros, hein? T'as dit quoi? Non, mais arrête, t'as fait un gamin, un truc comme ça. Non. Platine, au 5ème, donc ça fait plutôt plaisir. Il va se montrer à la rien. Non, regarde. Je regarde les commentaires. Platine, les potes, donc on va en plus, on a un bonus et donateur de 1000, c'est-à-dire que là, si on fait 10 games. On est tranquille, faut dire ce qu'il y a. On peut largement aller master en un live. Je le tweet. Bah, c'est pas nos règles aussi, hein. Ça va, ils ont mis. Samir, il reste 2 minutes 35, ils ont mis deux gardiens sur le drapeau. J'avoue, ils ont mis normal. Attends, moi j'y ai pensé maintenant. Ah. Série de points, j'enlève le foudroiement, je mets direct le gardien. Et le drone, je l'enlève aussi, il sert à rien. C'est quoi, je vais mettre une tourelle auto, mon gars. Une tourelle auto. Sur une dernière game plutôt serrée. On finit. Le drone de brouillage, ça sert, hein. Mais c'est drone. C'est drone normal qui sert à rien, surtout sans fantôme. Hop, je vais le tweeter. Je rebalance le lien du stream pour les personnes qui se sont perdues en chemin ou qui. Mais les paras, elles servent à rien, c'est tous leurs tactiques. Ouais, les paras, les grenades, ça sert à rien. C'est une dernière game plutôt sérieux, on finit donc nos 5 matchs de placement et arrivons donc directement en platine. Hop. Ça veut pas tweeter. Bon, c'est bon, je vais tweeter. Trop de suspense, excellent. Bah, c'est ça qui est bien quand tu tombes contre des bons joueurs. C'est que c'est vraiment des games en général plutôt serrés. On est agonie, me dit dans l'oreillette, 9000 viewers presque. Plutôt pas mal, faut dire ce qui est. Donc merci à tous en tout cas, ceux qui nous suivent, ça fait vraiment plaisir. Dédit de Vincent à Alison, ma chérie SVP. Bah, dédicace à ta chérie en tout cas. Je suis pas sûr qu'elle regarde le stream, mais qui sait. Ah si, elle regarde le live, il a mis entre parenthèses.
De quoi? Tu t'es fait défoncer? Ouais, vraiment. Mais archi sale, quoi. On me dit dans l'oreillette qu'Agony s'est fait défoncer à la dernière partie, j'ai pas trop vu les scores. Ah, on est tombé contre quoi là? Je sais pas, ils se parlent avec des signes, c'est chelou. Doivent. On va les laisser dans leur... Dans le langage de signes. Recherche des fonctions. Ouais. Je vais au top. Protéger les objectifs. D'accord. Bah oui, il faut aller en B, il y a peut-être. Hein? Oui, il faut aller en B. Moi, je suis du genre, tu vois. Là, t'as gauche, Bouta. À gauche, il y en a, t'as gauche. Moi, je rush avec ma chicane, t'as vu? Aïe, aïe, aïe. Il y en a un souterrain. Pourquoi je vois personne? Hein. Hey. Ouh! Comme il coupait, préparez-vous pour la suite. Hein? Non, tant que préfère, tu l'as défoncé, c'est. Un petit coup de scuff. Scuff cassé. Changement de côté. Quoi? Eh, faudrait que tu montes ta scuff ouais, après à la cam, s'il te plaît, parce que il a pété sa palette hier. Il a fait une méthode de ouf. Franchement, on se foutait tous de sa gueule. Et au final, ça a marché, sa technique. Donc, on montrera ça à la cam après. One shot, Udel. Je vois personne, hein. Soit ils vous ont contourné, soit. Ah, chez nous. J'ai parlé trop vite. Chez nous, le dernier. Ah ouais, merde. Ouais, top. Il s'est peut-être barré à droite. Il s'est barré. Non, il est top. GG. Ouais, il t'en pris en gangbang. S'il s'en sortait. 2-0-2-0-2-0-0-2-0-2-0-2. J'avoue, les scores sont propres. Changement de côté. Changement de point de départ. Recherche et destruction. Déjà. Il est un peu, je regarde vos commentaires en même temps sur défendez enfin, les surtout vos tweets parce que là, la chatbox, c'est hyper chaud de voir les commentaires. Tu commences à lire une phrase et... Et ça s'actualise déjà, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que tu voulais, toi? Ouh, il m'a fait peur. Il y en avait un qui campait chez... Oh, il est master. Les gars, en plus, je crois que c'est des masters en face, hein. J'ai pas bien vu au début de la partie. Notre force a triomphé. Et voilà, Gotha qui a niqué notre petite série sympathique. 2-0 mort. GG, Gotha. Et, écoute... J'ai tué un mec, je suis arrivé en face de lui, il m'a fait peur, voilà. La fibre. Et puis la fibre. Là, on est un peu content parce qu'on a la fibre. C'est la première fois du week-end où on arrive à avoir du 4 bars. Et pour nous, c'est... voilà. Dommage qu'on doive partir demain parce que franchement, pour streamer, ça aurait été parfait. Pour streamer, ça aurait été... Je tente ma chance. Allez, Tago, montre-nous tes fesses. Non, vas-y, je passe moi. Tu vois, j'ai confiance, tu vois. Ouais, une petite Betty. Hop, on esquive. Oh oui, j'ai vu Gotha après. Moi aussi, j'ai pas eu le temps de me tourner. GG, retourne-toi, allonge-toi. Voilà, tu vois, tu m'aurais écouté, tu l'aurais tué. Voilà, et du coup. Et putain, mais toi, tu sponges par contre, hein. Samir, il prend pas mal de balles quand même, hein. Oh bâtard! J'allais au fond de la carte! On a perdu cette manche, mais c'était pas fini. Les gars, fais gaffe au comeback. Je vois que ça va. Quoi? Non, pas de train de droite. Tu es trop tard comme si t'étais chez toi. Changement de côté. Ah oui, sûrement. Celui qui essaie de se booter Loan au passage précise, ça n'en. Comme j'ai dit, il y a je sais pas combien de connexions, donc GL.
pour osbooter celle-ci en tout cas. Oui, t'as le ton Skype, c'est ça en fait. Parce qu'en gros, il y a une connexion qui est sur le PC de Loan, celle qui est en train de se faire osbooter actuellement. Une connexion avec laquelle on joue, donc la fibre optique, donc là, on va faire une connexion de dingue pour nous osbooter. Et finalement... Oh bah ils sont deux, ils étaient deux à droite. Ils attendent pas mal hein. GG, il y en avait un deuxième. Avec une AR. C'est lui. Agony qui essaie de vaincre son adversaire. Hayabina. Drone ennemi en approche. Faire gaffe les gars. Dommage. Faire gaffe au comeback les gars. Perdu cette manche, mais ce n'est pas fini. Arrêtez-les. Et hop, tu comptes refaire une rencontre abonné à La Rochelle. Changement sûrement. De sûrement. Bon, on rush tous un point, on fait quoi? Recherche et destruction. On fait quoi? Nettoyer les objectifs. Charge récupérée. Donc, tout à l'heure, on rush comme des cons, ils nous attendent et... Hop, j'ai le truc pour pas m'en voir. Il est en haut. Ah non, c'est tu l'as eu. Je pose en V. Charge placée. Là, c'est plutôt une attaque qu'on fera en général en match. C'est-à-dire, on va tous à un point. Voilà, et là, on va gagner la manche. À moins que le mec fasse une ninja diffuse. Je vais vérifier quand même. Ah, je te jure, non, mais tu sais quoi, je vais rester sur la bombe. Ça, s'il nous la met, comment je rigole. Bon, là, voilà, GG, les gars. Tu étais dans quel lycée à La Rochelle, Gotha? Ça date un peu, j'étais Valin. Que tu rigoles? Alors on va aller voir un peu la chatbox derrière toi. Pourtant par la suite, une fois qu'ils auront pigé comment ça marche, et bientôt tu pourras les MP directement sur l'IRC. Ouais, ce qui parle. T'as regardé les trucs de ça? De quoi? T'as regardé les trucs de Sega? De quoi? T'as regardé les messages de Sega ou pas? Non, tu regardes pas? Quels sont... Ah d'accord, ok, ils nous envoient des questions, donc désolé parce qu'on très bien. Alors, quels sont vos objectifs pour cette année? Alors, nos objectifs pour cette année sont simples. Faire top 1 à toutes les LAN françaises et européennes. Donc françaises, on a large, enfin, on a un fort pourcentage déjà de le faire. Et européennes, franchement, si on se donne les moyens, refaire comme à l'époque de Black Ops serait énorme. Là, grâce à Millennium, ça, voilà, avec la gaming house, le budget, tout ça, franchement... On peut faire très mal, ils nous ont même parlé de faire une MLG, malheureusement c'est pas les mêmes règles, sinon on... voilà, ils voulaient nous prendre, c'était quoi exactement, une gaming house en Amérique. Pendant un mois aux États-Unis, ouais. Pendant un mois en Amérique, s'entraîner avec les règles, etc, etc, donc on a dit qu'on en parlerait plus tard, peut-être s'ils changent les règles ou quoi, mais franchement c'est un truc de ouf. Donc voilà, je pense, l'objectif c'est simple, top 1 à toutes les LAN européennes et françaises. Ça serait pour leur demander s'ils prévoient une partie sur PS3 avec les abos. Là malheureusement on a que des Xbox, je peux vous montrer à la cam si vous voulez. C'est voilà, tous nos branchements sont faits, voilà, c'est que des Xbox, on n'a pas pris nos PS3 avec nous. Quand on sera à la gaming house malheureusement ça sera de la Xbox. Après quand on est chez nous, c'est à dire chacun chez soi, genre je précise ce que ça veut dire, désolé. Désolé, non mais ouais pourquoi pas, après on n'a pas tous la PS3, c'est à dire qu'il y a que moi, Ago tu l'as aussi mais t'as pas Black Ops 2. Samir voulait prévoyer peut-être de s'en prendre une, faut voir, franchement faut voir. Mais moi de toute façon je prévois de faire des lives avec des abonnés fréquemment sur PS3. À quel âge Gotaga a commencé la compétition? N'a-t-il pas l'impression d'être dans la seule GH française? GH Gaming House. Ah d'accord. Alors, à quel âge j'ai commencé la compétition? J'ai commencé très jeune, enfin la compétition, pas vraiment au sens propre du terme, mais faire des matchs de team à l'âge de 11 ans, 12 ans sur Gare of War, voir Ghost Recon.
Ensuite tu allais sur code et là ça a vraiment commencé la compétition au sens propre du terme. La pression est dans la gaming house. Pas vraiment de la pression, c'est surtout plutôt de l'extase. Enfin, voilà, s'imaginez pas un truc aussi. De toute façon, demain, j'ai dit, avant qu'on parte, faut que je filme, vous fasse une vidéo, présentation de la Gaming House, tout vous présenter, comme si vous auriez été avec nous, en fait. C'est un truc de fou, et je vais vous filmer ça, je pense que Loan aussi voulait le faire. Donc, ce sera dispo sur les chaînes de Loan et moi, et vous verrez chacun nos points de vue sur la Gaming House. Mais c'est un truc de ouf, c'est pas forcément de la pression, c'est plutôt voilà, de la joie d'être à une Gaming House comme ça, et je suis bien content que de rejoindre Millennium pour ça, c'est un truc de ouf. Quand le prochain tournoi sur Black Ops 2? Alors, il y a la LAN française, 4Win. Non, on joue après. Au pire, Luan, tu veux pas faire les prochaines questions? On va faire une petite pause avec Samir et on revient. Et... Bon. Vas-y, c'est parti. Donc il reste, parce qu'en fait, si vous préférez, il y a un staff du Millennium, donc Sakia qui nous a envoyé quelques... Ouh, j'ai plus le live. Attends, reviens en arrière, Luan. Loan, reviens en arrière, vite. Il est trop drôle, Loan. Donc, Saka, qui est membre du staff, qui voit aussi le live, qui voit les questions, qu'on lui pose des questions pertinentes, parce que dans le chat, c'est vraiment des... On voit pas forcément toutes les bonnes questions. Des fois, c'est des questions du genre, quelle est la taille de ton pénis? On a vu des trucs assez bizarres. Et là, du coup, on a des questions plutôt pas mal. C'est pour ça que j'y réponds. Donc, Loan, t'enchaînes? Ou Ago, n'importe. Vas-y, Ago, Pierre, vas-y, vas-y. Donc une petite pause pour ceux qui veulent pas forcément écouter les questions encore. On revient dans 2 à 5 minutes, histoire c'est une petite pause, chacun s'il veut chercher des chips ou boire ou je sais pas quoi, moi j'ai ma bouteille d'orangina. Et voilà, nous sommes fumeurs malheureusement et donc on faisait notre petite clope, surtout après. Moi j'ai pression comme ça sur ce, Loan. Alors Ago, prochaine question, c'est là. Quand le prochain tournoi sur Black Ops 2? On fait lequel? Sur les deux? T'as pas besoin du casque. Ah ouais. Vous allez où fumer? Ouais. T'as fait les potes? Ah merde, t'as fait les... Prends. J'ai pas d'aller. Vas-y, décolle. Ah. Alors, la question c'est, quels sont nos prochains tournois, LAN? Donc il va y avoir la Reflex GT, donc c'est à Amsterdam, je crois que c'est courant janvier-février. Ouais. Et il y a aussi une LAN à Paris qui est la 4Win, et c'est en janvier. 26 et 27 janvier. Donc normalement on devrait faire ces deux, c'est pas encore on va dire du 100%, mais allez à 80% c'est, on y va quoi. Donc voilà, il y a quoi d'autre comme question? Si la compétition viendrait à plus se développer sur la PS3, passeront-ils sur PS3? Je pense que oui, mais bon, après, ce serait surtout la question pourquoi maintenant ils iraient sur PS3 alors que, on va dire, toutes les compétitions, à part je crois GameStop qui s'était fait sur PlayStation, ça fait, on va dire, 2 ans que la PlayStation, niveau mondial, est un tout petit peu oubliée. Donc, niveau compétitif, on va dire que c'est vraiment la Xbox pour code en tout cas, enfin au niveau des consoles. Donc voilà. Après, il y a quoi d'autre? Il y a ça aussi. Bonsoir, Gotaga et Prestige combien et les autres personnes de votre team? Donc ça on y a répondu, mais je pense qu'il y avait des gens qui étaient un tout petit peu absents. Donc on va reprendre. Donc Gotaga il est Prestige 6 niveau 16. Agony est Prestige 4. Enfin non pardon, non, Prestige 3. Ah tu viens de le passer, ok. Ouais. Agony est Prestige 3. Diablo est niveau 42 parce qu'il refait beaucoup de comptes en fait pour pas changer de GT. Et moi je suis Prestige 2 niveau 47. Voilà pour les Prestiges. Est-ce que vous allez faire que du BO2? Je pense que oui. Après, quand on fera des lives, non, ça, c'est possible qu'on en fasse, on va dire, des fois peut-être sur FIFA ou des trucs comme ça. Mais ça, je pense, ça sera plutôt réservé sur nos chaînes respectives. Quand on sera, je pense, quand on streamera sur Millennium, ça va être rare qu'on fasse du FIFA. Mais des fois, pourquoi pas, faut voir après si c'est possible de faire des petites vidéos tranquilles. Donc voilà, faut voir. Mais ce soir, ouais, ça sera que du Black Ops 2. Et ça aussi. Comment se sont connus Gotaga, Loan, etc.
Donc, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Agony, on s'est connus. On va dire que j'ai connu et il m'a connu avant tout le monde. Ouais. On s'est connus tous les deux en premier. Bah, moi, en fait, c'était ma... j'ai fait ma première équipe en compétition, c'était avec toi, en fait. S'il y a de ça... 4 ans. Ouais, 4 ans, on va dire. On a joué chez Magma. Alors bon, c'était, c'est, pas, c'est rien du tout. Hein. Franchement, il n'y avait pas de site, il n'y avait rien. C'était une équipe à la... comme ça. À la 8. Et voilà, on avait fait cette équipe, on était tous les deux. Puis lui, après, moi, je suis parti de mon côté, donc j'ai rejoint la team de Corentin. Et donc Gotaya, et lui il est parti de son côté dans une autre équipe, on va dire, du même niveau. Et après, moi j'ai dit à Gota, ouais, faudrait qu'on recrute à Go et tout ça. Donc on l'a recruté, et puis après on a commencé à jouer avec lui. On s'est séparés quelques fois, on est revenus ensemble. Enfin voilà, ça a été les feux de l'amour. Et maintenant, on joue donc avec Diablo qu'on a recruté il y a de ça à peu près un an. Ouais. Un an et demi. Donc, pas voilà. Comme ça. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, on sait aussi, il y a eu de la séparation aussi sur. Sur Modern Warfare 3, parce que Gotaga a eu une très 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 grosse proposition d'Apex, donc il était parti là-bas. Voilà. Est-ce qu'il y aura une rediffusion? Je pense pas, pour être honnête. Non, franchement, je pense pas, parce que choper une vidéo Dailymotion pour la mettre sur YouTube par exemple, mais peut-être après sur Dailymotion, ça faut voir avec, avec Millennium. Donc. Prochain tournoi. Quel âge Gotaga a commencé la compétition? N'a-t-il pas la pression d'être le seul? Ah, ok, bien, je viens de comprendre. Ça, c'est déjà répondu, je crois. Fatigué ou quoi? Fatigué? Tu fais ta manette. Allez. Je t'ai dit non. T'as quand même montré ta manette, toi. Ouais, ta mère, c'est ça. C'est ton père, toi. C'est taré, hein. C'est quoi le... Ramène qui tu veux, je connais tout le monde en Belgique. C'est quoi le placement argent, or? C'est en gros les divisions. Donc je vais vous laisser avec Gotha, c'est reparti. Wow. Oh, fais gaffe à ma chaise. Non, c'est parce qu'il y avait le truc, en fait. Dessous. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Ce qui est bien de revenir après Loan, c'est que la chaise après elle est toute chaude, elle est toute bien. Ah, j'aime bien, hein. Bref. Tu peux lancer, moi je suis chaud. Ouais, balance le. Ah, bon allez. On est reparti, j'ai vite fait les questions. T'as répondu à tout ce qui était. Ouais. D'accord. T'as répondu à vous êtes déjà affronté en LAN? Ah, c'est une arrière. D'accord. Alors, est-ce qu'on s'est déjà affronté en LAN étant donné qu'on n'était pas toujours dans la même équipe? Alors, oui. Donc, il y a eu un moment, moi, quand j'étais chez Apex, j'ai pu jouer contre. À la réflexe, j'étais contre Samir et Agony qui, à l'époque, étaient Mythics. Ils nous ont battus en winner bracket. Et après, on est revenu, il menait 3 en map et on a gagné la grande finale 6-5. Donc un match de ouf. C'est notre seule défaite d'ailleurs au réflexe GT d'Amsterdam. Ensuite, il y a eu la BOA. J'étais avec Apex et Agony qui étaient en pick-up avec Apex aussi. On a joué contre la team à Samir. Et cette fois-ci, c'est eux qui nous ont poun 3-2. Ils ont d'ailleurs gagné la LAN. Ils étaient aussi sous le nom Mythics. Et pour finir, j'ai joué à l'EGL, Luan, Link 2 fois. Enfin, ceux qui nous suivent depuis longtemps, logiquement, ils ont. Bon, la chicane doit un peu vous saouler depuis tout à l'heure. J'ai un peu à la type. J'ai joué Luan, donc les links, et on a gagné les deux fois. C'est un match serré. D'ailleurs, Luan nous a fait un V3 clutch. Pourquoi la vitre est déjà pétée? L'ennemi tient le point stratégique. Ça doit être normal, je pense. Ah, c'est le point stratégique. Minuit. Et je répondrai aux autres questions dès que la game sera finie. Point stratégique capturé. Point stratégique menacé. Bon. Point stratégique capturé. Drone allié. Et on a un gauche aussi. Ah, deux dessus. Point stratégique capturé. J'arrive dans son dos. Drone ennemi en approche. Point stratégique menacé. On meurt vraiment vite par contre sur cette connexion. Hein. On tue vite mais on meurt aussi vite. Faut changer de point les gars, allez à l'autre. Escalier. Allez à l'autre. Point stratégique identifié. L'ennemi a pris le point stratégique. C'est cool mais qu'est-ce qu'il y a?
J'ai. Camion, camion. Ah, il y en a un autre. J'ai pris une SMG par contre, parce que là elle est sur les points. Ça arrive, sur toi. T'es à gauche. Stratégique capturé. Je vais tuer les 4. Drone de brouillage en attente d'ordre. Ouais. Les gars, je vais préparer l'autre point. Je vais préparer l'autre point comme une pute. Vous allez voir. Voie stratégique verrouillée. Il s'est déjà dessus, Putain, deux dessus. Attends, on reste plus loin en plus. Point stratégique identifié. L'ennemi a pris le point stratégique. Je vais mettre un gardien et tout dessus, mais. Je m'attendais pas à ce qu'il soit là en fait. Dans la voiture. J'ai. On perd le combat. J'ai. Dans mon dos. On me dit pas que je vais devoir faire toute la map, non, c'est bon. Point stratégique capturé. Tu l'as eu ? Point stratégique menacé. Non, fallait me le dire, les gars. Je sais pas si j'ai une tourelle. Voie stratégique verrouillée. Voie stratégique menacée. Voie stratégique menacée. Oh, là on a bien préparé le point, je crois, les gars. Là on a bien préparé le point. Là. Qui essaye de passer là pour voir? Point stratégique identifié. Là, si Zay va passer, mon gars. Point oh, oh, les gars. J'ai. C'est vraiment, ça, c'est des règles américaines. Hein. Je trouve ça vraiment nul. Enfin, pas vraiment stylé parce que, regarde, on peut mettre un gardien là, une tourelle là, et hop, c'est bon, on a le point, quoi. Je trouve vraiment pas trop stylé ces règles, mais bon. Malheureusement. Ils ont détruit ma tourelle. Ouh, les salauds. Elle est à l'autre, hein. L'autre il est middle. Vas-y, va à l'autre. Ça en mi. Drone allié en approche. L'ennemi tient le point stratégique. Oh, ils ont détruit mon. Trois alliés en approche. Vas-y. Drone de brouillage en attente d'ordre. Je vais pas mettre le drone de brouillage. Point stratégique. On en confie, les gars. Je vais préparer l'autre, ok? Point stratégique menacé. Drone en approche. Idem. J'ai mis un gardien à droite, là. Il y a quoi? J'ai mis un gardien en droite. Ouais, c'est bon, on l'a bien préparé, les gars. À droite, ça arrive. Je l'ai vu, t'inquiète. Donc ça c'est les règles américaines, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est ça. Je crois par contre eux ils ont pas rogue. Je crois qu'ils ont banni la gardienne, je suis pas sûr. Ils commencent à quitter la partie. Là tu mets détermination, tu fais 3 kills, tu prends un point, c'est bon, t'as tout, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve pas les règles vraiment adaptées par ce qu'il est, mais les Américains veulent faire plus de blé, veulent avoir plus d'argent, plus de visites sur leur site, et du coup drone de brouillage allié en approche. Et vous pouvez les reprendre après vos gardiens, les potes, hein. Ouais, vas-y. Inspiration, il y en a un qui a fait interface. Je reste sur celui-là en attendant. Quand on meurt, il reste nos trucs ou pas? Ouais. Je vais garder pour tout à l'heure, écoute. Foudroiement allié en approche. Tout à l'heure, si les gens. Voilà, ça. Point.
Qu'est-ce qu'il fait là? Il y en a un qui allait sur l'autre point. Bon, tant pis maintenant. Capturé. Merci à toi, j'ai le bon spoon. En plus, il s'est fait tuer par ma tourelle juste après. Agonie à droite. Je m'en occupe, extrême droite, je m'en occupe. Je m'en occupe, ah, regarde ta gauche, Ago. Ago, il a pas confiance, je lui dis de regarder sa gauche. Ouais, il passe à droite. Non, il revient. One shot. Il est derrière le truc vert. Mort. Non, si on garde celui-là, on gagne. Faut juste pas de conflit et on gagne. Un qui arrive extrême droite. One shot. One shot à droite. GG, gars. Vous serez récompensé. Quelle est la marque de ton casque? Mon casque est un Cyber V2. Où ça rage en face? Je dois y aller pour dormir demain à l'école. Excuse-moi, mais t'as pas à t'excuser, hein, c'est normal, hein, l'école passe avant. En tout cas, on te souhaite tous une bonne nuit et merci de nous avoir regardés. Et... dans la semaine, t'inquiète pas, il y aura pas mal de vidéos sur notre chaîne. Alors, des questions. Quand le prochain tournoi sur Black Ops 2, tu l'as dit, Salwan? Gotaga, il précise combien les autres. Alors. J'ai répondu à ça. Quelles sont vos armes favoris à tous, Karstrik? Quelqu'un va répondre? Vous voulez que je le fasse? Bon, score streak, bon, voilà, c'est du classé, on prend un peu de tout, mais je pense que le principal c'est quoi? C'est foudroiement, aéronef furtif et warthog, ça fait un carnage de ouf. Au niveau des armes, ça dépend des goûts et des couleurs. Il y a la M8, il y a la MSMC, il y a la PDW, il y a la Scorpion, moi j'adore la Scorpion. Loan il a un petit kiff en ce moment pour la FAL en automatique. Donc on aime un peu tout, les armes, on les découvre au fur et à mesure, et c'est plutôt pas mal. Salut à vous, bienvenue sur la MTV, une petite. Question, comment trouves-tu la communauté actuelle sur Call of Duty et a-t-elle changé depuis le temps que tu joues à Code? Alors, la communauté, je vais parler de celle compétitive surtout, la communauté compétitive, elle a grandi, mais ça fait beaucoup d'envieux, beaucoup de jaloux après, ça reste, celle que j'aime bien surtout c'est la communauté PS3, parce qu'en enfin, j'ai fait de LAN PS3, et là-bas c'était vraiment jovial en fait, c'était... On y allait, tout le monde se serrait la main, tout le monde parlait entre eux, que tu sois connu, moins connu, que tu fasses top 5, que tu fasses top 20. Tout le monde se parlait et c'était vraiment bien. Alors que sur Xbox, je trouve que c'est plus chacun, on va dire, regarde le... C'est, comment on dit déjà? C'est quoi la phrase? La phrase... tout le monde préfère le gazon du voisin ou je sais pas quoi là. On n'est pas au moins. Si. Si. L'herbe est plus verte chez son voisin ou je sais plus. Bref, en gros, ce que je veux dire... Il se fout de ma gueule, voilà. Bref, ce que je voulais dire, c'est que... je connais pas ça, moi. Chacun est jaloux des autres et tout, chacun... Bref, c'est... La communauté Xbox, ça a l'air un peu... Enfin, en tout cas, je parle de la communauté Xbox, hein. Voilà, c'est mon avis, chacun a son avis, ça concerne que moi, mon avis. Et voilà, c'est ce que je pense. Que pensez-vous de l'avenir de la compétition sur console, plus particulièrement sur Call of Duty? Alors, faut se dire qu'elle a énormément évolué. Il y a un an, on m'aurait dit que Millennium prenait une... Par exemple, hein, une squad console, je l'aurais pas cru, ça a vraiment évolué. Bah, rien que le fait de voir autant de personnes sur un live stream, voilà, ça prouve à quel point la communauté console, la compétition sur console a augmenté. Parce qu'avant, qui s'aurait été intéressé de voir, je sais pas, du mode league comme ça? Voilà, personne, faut dire ce qui est. Et là, c'est clair, de plus en plus de personnes s'y intéressent, commencent. Ouais, c'est des Français et c'est des joueurs de Sorto, il me semble. Belge 3. Oh, Gotaga! Ah, et il y a un abonné. J'ai vu M dans son clan tag. Dédicace à toi, Floggy. Mais ouais, je pense que l'avenir sur la compétition en code, ça fait que monter. Et justement. C'est la SND. Hein. SND? Sur ça? Destruction. Bon, allez, on y go. Bon, la SND, on n'est pas top. Bombe récupérée. Il faut parler, les gars. Un truc aussi, c'est qu'ils peuvent voir le stream en même temps, du coup, et surtout en recherche, c'est assez chiant. Waouh. Je me fais tirer dessus, ouais.
C'est pour toi, tu es Samir. Eh, je me fais tirer dessus pendant que je lag. Viago. GG. Dernier, va poser, va poser. Il revient. Il a quoi comme arme? Il y avait des SMG, moi. Bombe armée. Il était droite, mais je crois qu'il va revenir vers là. Limite. Quoi? Bon boulot, attention à la prochaine manche. Vérifier s'il y a des frames de drop dans le cas où. Il y en a pas. Donc le stream c'est parfait. On est parti, 20h49. Changement de côté. Recherche et destruction. Un abonné, un dédicace attaque, comme j'ai dit, Flo Gilly, pardon. Je crois qu'il a un bon grade, hein. Il était platine, je crois. Défendez les objectifs. Donc c'est plutôt bien. Platine ou master, il était. Il y en a un qui était top, il va mid. Il est one shot top gauche. Il m'a entendu. GG. C'était pas lui, hein. C'était pas lui qui m'a tué top gauche. Fais gaffe, il joue à mort au son, Ago. Parce qu'il est parti à un endroit, il m'a direct en. C'est lui. Oh. Ouais, il est pas mort. Il est pas mort, Samir. Je sais. T'es sérieux là? C'est de ouf ce qu'il a pris. Wow. Il a tiré deux fois. Nombre de balles qu'il a pris. Hein? Le nombre de balles qu'il a pris. C'est un truc de ouf. J'arrête de tirer deux fois. Mais je te jure, il a pris trop de balles, le mec. Elwood, il a pris un nombre de balles de ouf. Changement de côté. Ah oui, la manette de Samir, on l'a pas montré. Recherche et destruction. Ah si, montre-la, mec. Éliminer les objectifs. Charge récupérée. One shot, Samir. Mort. C'est bon, hein? Reste là. Oh, il est mignon! Il est mignon! Attention à la prochaine manche. Il était où? Il peut voir à travers les deux? Ouais, il voit à travers. C'est où? C'est un truc de ouf. Recherche et destruction. Protéger l'objectif. Et je vais au top. Il y a personne cette fois à gauche. Oh, il y en a un top. Non, j'arrive pas. Non, mais mettez où? Il part où j'étais. Nice. J'ai. Bon travail, préparez-vous pour la manche suivante. Ah, ça, j'ai pas mis beaucoup de balles, t'as dû le toucher pas mal, non? Hein? Tu l'as touché pas mal, non? Ouais, j'ai touché, il m'a mis un run direct. Non, parce que là, j'ai pas mis beaucoup de balles pour le tir. Oh, moi, t'as pas touché, tu sais? Ouais, il m'aurait mis la rafale, je suis sûr que j'étais mort. Changement de côté. Recherche et destruction. Mmh. Détruisez les objectifs. Bombe récupérée. Je tape encore. Personne ne tape. Si, un au top. Il est mort.
J'arrive. J'ai le dernier, les middle. Middle chez eux? Ouais, chez eux. J'ai dit le parce que là on s'est retourné et... Il est passé où? Je sais pas. Peut-être parti au top. Fais gaffe quand tu poses qu'il arrive pas dans la... Charge perdue. Charge récupérée. J'ai bien. Salut Gotha, j'ai une question à te poser. Quand, où et avec quelle équipe as-tu remporté ta première LAN? Avec Agony et Lohan à la Opal Arena à Calais. Avec... Samir, montre-leur ta manette, s'il te plaît. Non. Pourquoi? Meilleur pour la fin. Il veut la garder pour la fin, il a dit le meilleur pour la fin. Opération réussie. Bon travail. Donc, t'oublies pas, hein? Ouais. Tu bloques ça? C'est un système un peu draconien, tu vois, ou pas? D'accord. Il veut la montrer pour la fin. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, je vais voir s'il y en a d'autres questions. Je lance la partie, hein. Oui. Ouais, vas-y, enchaîne. Je reposte un petit bulletin sur YouTube pour ceux qui arrivent en retard. Je vais mettre toujours en direct. D'accord, si vous voulez poser des questions, Loan est que sur Twitter, donc pour ceux qui veulent... Ils veulent voir, bah, c'est parti. Hop. Aucun rapport avec code, tu vas faire des vidéos Minecraft encore, ça serait cool le mode Call of Duty Minecraft. Je sais pas s'il y a un mode pour ça, je pense, hein, parce qu'ils inventent des modes de ouf. Mais pourquoi pas, après, le truc c'est qu'il faut trouver un bon thème à faire, voilà, une idée originale à faire et bon. T'as mangé? Bon. Des chutes à manger? Et bon voilà quoi, c'est assez... Après bien sûr il y a Fallen Kingdoms 2 qu'on va pas tarder à tourner, pour ceux qui ont aimé la première saison. Bon, je crois qu'il n'y a plus trop de questions donc c'est bon, enfin il n'y a plus trop de... On part demain et on ne sait pas quelle est encore. C'est ça le truc. Si on aurait déjà les billets de retour ou quoi, on vous aurait dit ah bah boum. Tu viens de lancer là? Pourquoi je tombe sur un écran PC? Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de. Ah oui d'accord. Pourquoi je tombe sur un moniteur PC? Tout simplement parce que voilà, c'est un moniteur très peu de temps de millisecondes. C'est les tailles adaptées, c'est-à-dire que c'est les écrans qu'il y a en LAN. Donc vous voyez un peu la taille. La taille de l'écran, voilà, c'est du 22 pouces et voilà, c'est vraiment l'écran idéal pour la compétition parce qu'il y a un très peu de, ça se dit, attends, très peu de temps de latence, ça se dit ou pas? Oui. Je crois que c'est du 2 millisecondes, c'est-à-dire que vous tirez 2 millisecondes après, vous le verrez sur l'écran, alors que les écrans plus gros, les grosses télé HD, en général, ça tourne entre 5 et, pour les plus anciens, 50 millisecondes, donc c'est plutôt gros. Et vous aurez un décalage, si vous tournez à gauche, vous verrez, vous sentirez le décalage directement. Alors que là, c'est du direct. Manica, tu demandes une dédicace? Dédicace à Manica, un joueur FIFA chez Millennium. Ouais. Un joueur FIFA, un ancien mythique, c'est avec qui on a passé, enfin, il nous a fait trop rire à la... C'était quelle LAN déjà? J'ai long. Trop face baby, non? Ouais. C'était sa phrase trop face pour toi, mais... enfin je sais plus trop quoi, mais franchement il nous est déliré ce mec, c'est un truc de ouf. Y a-t-il des LAN en Belgique? On en a gagné une, je crois que c'était la seule qu'il y a eu en Belgique, c'était la Ultimate Gaming. Il y avait pas mal de teams européennes d'ailleurs. Et ouais, il y en a, mais c'est plutôt rare. J'ai un examen demain, souhaite-moi bon courage, mais je reste avec vous. Bah bon courage à toi Nicolas, Dimor. C'est toi qui fais à manger en fait? D'accord, ok. Alerte de niveau 3, donc pas de bus. Ah oui, il y a de la neige un peu partout, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens, demain ils ont pas cours. Donc ils restent jusqu'avec nous jusqu'à 23h, bah tant mieux, c'est un signe du destin. Quel âge on a? Alors j'ai 19 ans, Agonia 19 ans, et Lohan a 19 ans. Par contre Samir il est un peu plus vieux, c'est un peu le daron de l'équipe, il a 22 ans. Il me fait son petit sourire. Tu mourrais en souriant, c'est normal. Le Siberia est un casque stéréo.
Ouais, enfin... Enfin, t'entends... si une personne est à gauche, tu, dans les deux côtés, tu entendras la personne... Enfin, c'est du 5.1, mais surtout le mix-amp qui fait ça, le mix-amp d'Astro, qui fait tout le son. Après, qu'on branche n'importe quelle case dessus, qu'on branche un Astro, qu'on branche un mix-amp, qu'on branche un SteelSeries, il y a quoi d'autre comme marque, qu'on branche un Turtle Beach, même si je suis pas trop sûr qu'il y a des trucs compatibles dessus. Vu qu'on est plus chez Vitis, il y en a qui veulent des maillots. Pourquoi pas au pire? Mettre dans un concours par exemple. Bah, enfin, je sais pas, ça fait un peu. Genre joueur de foot qui balance son maillot. Enfin, je trouve ça un peu prétentieux, tu vois, donc vaut mieux pas. Tu joues avec quel écran on joue chez nous? Je sais pas, mais elle est pas top. Enfin, ouais, c'est fake paint. On va voir ce que mon petit frère a tweeté. Pourquoi j'ai pas le maillot, moi? Il me touche l'épaule, ce PD. Yes, il n'a rien marqué. Je quoi? Je sais pas. Il sait pas écrire, le mec qui l'a fait. C'est pas méchant, mais. Moi j'ai cours demain, mais comme je vous kiffe, bah je reste. Bah merci à toi, MRS Never. Ok, allez, on va continuer. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Peux-tu leur dire s'ils pourraient montrer la manette de Diablo maintenant? Il y en a, ils veulent la voir. Bon, allez, Samir, il lui offre l'opportunité d'avoir. Donc là, c'est une Scuff Yin Yang, donc en noir et blanc. Et il a pété sa palette, regardez ce qu'il a fait. Il a mis du scotch. On joue contre Yako? Ouais, en recherche. C'est cool ça. Ah, en recherche, c'est chiant, pardon. Il a mis du scotch, c'est même pas du scotch, c'est de l'adhésif. C'est de l'adhésif, et le pire, c'est que sa palette marche, c'est ça le pire. Nickel en plus. C'est. On joue body, Ago! Ago, c'est Yako. Et est-ce qu'il dans le cas? Wow! Défendez les objectifs. Personne n'a, vous êtes sûr? Prendre le sniper contre eux, ça va rien. Je connais qu'il y a la gamme mort. On a perdu cette manche, mais c'est pas. Je te jure, on est tous français sauf un, et c'est lui qui a la connexion, quoi. Changement de point de départ. Recherche et destruction. En plus cette map elle est chiante de jouer en recherche. Nettoyer l'objectif. Ouais. Je sais pas vraiment. Je sais pas. Chez nous. Il est au top chez nous. Derrière les bidons. Peut-être pareil, il est pareil, dans le conteneur du top. On va l'attendre, hein. GG. Performance réussie. Préparez-vous pour la suite. Pas de camouflage sur le couteau, non, j'ai pas de camouflage sur le couteau, j'ai fait très peu de kills avec. Changement de côté. Je
Recherche et destruction. Gare, c'est quoi cette connecte quoi? Plus le pire, c'est qu'on est tous sur la même connecte, hein, mais des fois, il y en a un qui est en full green, l'autre qui est. C'est n'importe quoi! Un qui était mid, j'ai touché. Il est topé. La descente, il est pas descendu. Ouais. Bon. Vous avez réussi. Soyez prêts pour la prochaine manche. Éliminer les objectifs. Bombe récupérée. Je sens que là je vais me prendre un gros one, tu vois. Mais j'y vais quand même. Même pas. Le front. Oh la gruffe, elle m'a piqué. À gauche il y a l'air d'avoir du monde. Top gauche, il y en avait un mec, il est reparti chez lui je crois. Il était top gauche et... Il est parti. Drone de brouillage en attente d'ordre. C'est quoi ton casque? C'est un Cyber AV2. Ouais. Changement de point de départ. Recherche et destruction. Défendez l'objectif. Non, prends pas le sniper. Gros. Essayez premièrement, ça sert à rien, surtout ça te connecte. Top gauche, il est parti au container à gauche. Allez, tiens, pas top gauche. Hein. Il est mort sur le TIG là. Je suis en train de me balader avec mon gardien, normal. Drone de brouillage allié en approche. La sauter, tourelle auto parée au déploiement. Vous avez vu, je t'ai mis tourelle. Tu vas rester là. Je suis. Vas-y, les gars. Salut Gotaga, est-ce que tu viendras à Bordeaux un jour? Nos généraux seront satisfaits. Oh non! On a la victoire quand même. Regardez. Bon, bah les mecs en face, le mec en face a fait interface, donc c'était pas en français, il me semble. On va vérifier quand même. C'était un français. Honte à lui! Ah ouais, mais je doute qu'il soit japonais, tu vois. Non, c'est en anglais. Il est en anglais, je sais pas. Bon, mais on a quand même eu la victoire, heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait fait comme l'autre fois, j'aurais un peu eu le seum. Ouais, j'annonce à 21h30, je rebalance le teaser. Il y a Berk en face.
C'est F. Capture du drapeau. Capturer l'objectif. Cap, attends, je m'en occupe, Ouais, attends, je le tue. Pas sûr d'aller là, gros. Drone en approche. Il y en a un qui arrive sur toi. Il en manque un après. Il y en a un sur son drapeau. On a pris l'avantage. Il est dans le coin. Je pense qu'il a pris. Attends, j'ai. Il y en a un autre. Tank. Il part à gauche devant toi, celui qui est à droite là. Drone de brouillage allié en approche. À droite. Tourelle la grue. Auto prête au déploiement. On a pris le drapeau. Par où? Vis-à-vis. Un peu luché en face de toi, il est touché, je l'ai touché. Oh, il est touché. Top. Parce que je l'ai mis. Oh, mid est chez lui, sur son flag. Je sais pas qui c'est. Il est pas mort. Au mur. Mort. Oh non. Ils vont passer là, ils vont galérer. Il y a une tourelle et un Dragonfire. Qui a le Dragonfire d'ailleurs? GG. Jure, on a une vraie défense, mec. Les score streak, franchement, je comprends pas les Américains. Viens. Je sais pas où il est passé. Y'a ma tourelle qui tire chez nous. Il va mourir. Un mid. Dans la maison, il est sous flag. Il y a un tank. Un ennemi en approche. C'est moi au tank, hein. Ah non, mais tu l'as tué. Viens. Pour la prochaine, j'ai une tourelle auto et un gars. À droite. À droite, il est passé derrière toi, je crois, gros. Merde! Non, mais j'en veux pas moi! Je voulais recharger, ça m'a pris un tourelle. On a le drapeau et. Bon, go! Top chez nous, hein, top chez nous! Pas sous là! Coordonnées de foudroiement reçues en approche. Ils sont pas là. On a perdu leur drapeau! Merde! Attention, leur data avec ennemi en approche. Merde! Drone de brouillage en attente. Attention, votre tourelle auto a été détruite. À droite, ça passe. À droite, c'est passé, à droite de chez nous. Un bâtiment. Ah putain, j'avais entendu un mec à ma gauche, je savais pas que c'était toi. C'est confirmé. Je sais même pas que tu pouvais monter. Ouais, je te jure, il y a des trucs de partout. Tu regardes là, mon gars, c'est trop drôle. Et s'ils veulent passer, mon gars, il faut. Et là, on se dit, c'est les règles américaines. Ah, là. One shot mid. Ouais. En plus, c'est qu'on peut en rajouter deux. Je regarde Diablo, il a des tourelles, il y a des gardiennes. Ouais, c'est
Samir il est à gauche mais il a pas poussé quoi. Là je pousse pas justement. Tap. One shot tap. Tu l'as eu tap? Non. Il est... Travail les gars, la prochaine manche va commencer. Hey, y'a Berka! Tu viens de voir? Y'a Berka! Ouais? J'ai vu ma tourelle, je vois tout au fond de la carte. Hein? De quoi? Je vois tout au fond de la carte, où on est là. Grave! Berka, c'est un des administrateurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des administrateurs de Desserto France, donc notre communauté. Y'a deux tourelles, c'est sur Flag. Et c'est aussi un des joueurs. Il est chez qui Berka? Berka il est chez Epsilon non? Ouais. Je crois qu'il est même dans l'équipe à mon petit frère. Je dis peut-être des conneries. A gauche, GG. Ouais, Berka il est dans l'équipe à mon petit frère. C'est bon. Voilà, c'est quand même un assez bon joueur français. Je sais pas qui c'est qui est en duel contre une charge électrique et qui veut pas la détruire, mais. C'est moi. Ça fait 50 points en plus, tu l'as détruit. Attends, je vais faire. Ouais, ouais. Tu voyais en bas devant. Ouais, je l'ai mis là. Ouais, gauche. Il m'a mis un gros one. Mets-le au top, mec. C'est genre, il fait trop mal. Tu devrais même la mettre sur le toit, carrément. Ah ouais. Le porteur est à terre. Drapeau est en place. Chez nous. Normal lâcher la tourelle. Ouais putain mais qu'est-ce qu'il arrive là? Un mur et un mid. Mur. Lui il est en train de jouer son ratio hein, puisque le. Qui? Je te jure, ils sont. C'est lui là, le Angel X6, tu ne verras jamais approcher du Fred. Non! Attention, artilleur d'Adaf ennemi en approche. J'ai Notre drapeau est dans la base. On a pris la tête. Il a pris le frontier, lui. Foudroiement allié en approche. Attention. J'ai même pas tiré en direction. En approche. Oh, j'ai arrêté de tirer. Je pensais qu'il était mort. Un one shot vers le mid. Derrière toi. Les deux sont one shot. Un à gauche one shot et un mid. Fais gaffe, y'en avait un à gauche aussi. Retourne-toi direct. Pourquoi il attend là lui? Je vais prendre le flag. Hein. Non, j'ai arrêté de tirer. Putain! Deux fois sur lui, j'arrête de tirer. Désolé, celui qui est mort d'ailleurs. Diablo, c'est ma faute, c'était mort. J'aurais pu le tuer, j'arrêtais de tirer, il t'a tué, il s'est retourné, il m'a tué. Tap. On va mourir tous les deux. Attention, drone ennemi en approche. Drone de chasse ennemi en approche. Non, là. Plus de munitions. Attention, lance grenade multiple ennemi déployé. J'ai. J'ai. On top chez nous.
te prendre dessus. Chez nous, au mur. Derrière moi. Là, le drapeau est... Non, le... Me gauche, je suis normal, le snipe. L'ennemi a piraté votre équipement. Chez nous. Mise. Nice. T'as chez nous, je prends derrière le feu. Pareil, il est en train de courir quand t'arrives. Les tourelles auto prêtes au déploiement. Les tourelles auto, c'est trop ouf. Chance de charger. Je te lui mets. C'est moi le kick final là. Ah, t'as vu le shoot de bas? T'as vu le shoot de ma tourelle? Tiens. C'est bien, on avance bien. Hein. Ah, par contre, il est 21h19. Bon, je vais quand même quand des abonnés. Bon, on est master, on arrête là ou quoi? On est master en. Je sais pas combien de games. On est master, les potes. On fait quoi? On va aller voir vite fait qui est premier de la Ligue Master. Donc je crois qu'on est, on est allé encore plus vite que l'autre fois pour aller Master. On a pas perdu quoi. On a pas eu de trucs. Bon, en fait, en 10 matchs, 10 games, on est Master. C'est bien. Donc on a les Envy dans notre truc. Je regarde vite fait. Il y a des DZS. Ah non, là c'est les vrais Envy. Ouais, Profi. Ouais, là c'est l'Envy, ça c'est une grosse équipe américaine. Get the D, c'est qui? Je connais pas. Ouais, ceux qui sont premiers, je crois, c'est plus des squatters que. Parce que l'Envy. 15 victoires. Ouais, je sais pas trop. Ouais, de toute façon, je pense qu'on continuera en condensé sur ma chaîne. Donc là, on est en master. C'est plutôt bien quand même en du game. On fait un stream du coup ou quoi? Je pense qu'on va jouer avec des abonnés. Parce qu'en fait, là, du coup, vu qu'on est en League Master, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, je pense que c'est en League Master. Donc ils peuvent pas nous jouer sur le match. Alors que tout à l'heure, quand on faisait nos matchs de classement, à chaque fois on tombait sur des abonnés. Donc je sais pas comment on va faire le système. C'est bon, on est Master. Maintenant, place le game vs abonnés. Donc je sais pas ce qu'on peut faire. Soit on fait. On les joue contre eux, soit on fait plutôt un truc du style drôle, c'est-à-dire des jeux d'armes, comme ça on peut inviter plein d'abonnés. Tu as le truc ou pas? Ah, au pire, je vais faire un tweet et vous me dites ce que vous préférez. Déjà, je tweet ça, c'est bon, on est master maintenant, place le game, laisse abonner, je remets le lien du stream. Dans 8 minutes, je fais passer le trailer encore une fois. Loan, t'as une question. Loan, toi tu préfères quoi? Jouer contre des abonnés, nous quatre contre des abonnés, ou plus faire du jeu de genre des trucs plus drôles, genre des jeux d'armes, ou pour inviter plus d'abonnés? Continuer à nous entraîner. C'est ça, tu vois, c'est ce que t'as dit, parce qu'on travaille avec Teamwork et tout. Donc ouais, mais si je jouer contre des abonnés, ça sera, en plus qu'on pas la même équipe et tout, ça nous entraînera pas forcément, faut dire ça aussi. Genre. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est continuer jusque-là, et en gros. Au pire, on leur demande ce qu'ils veulent, non? Parce que c'est, imagine. Parce que là, on pourrait finir les points, tu vois ce que je veux dire, les points qu'on a là. Ouais. Ah mais 5 games ça fait une heure quoi. Et tu sais on sait pas, enfin on leur a dit quoi, surtout ça et bon. C'est un peu grâce à eux, c'est un peu grâce à eux qu'on a tous ces viewers et tout. Alors. Ouais je vais faire ça, donc je vais faire le fameux truc retweet favori. Donc choisissez alors, soit. Quoi? Luan? Ouais, il y a deux pubs et c'est Katsuni sur la pub. Eh oui, je leur regarde tout de suite. Oui, Katsuni! Favori, si tu veux, qu'on continue le mode league. Non,
Donc voilà, j'ai tweeté, soit vous retweet, soit vous favorisez, vous choisissez, on fera la majorité. Donc je sais qu'il y aura des déçus, c'est la majorité qui l'emporte, forcément, si vous choisissez le retweet. On invitera des abonnés, je sais pas combien, parce que si c'est un jeu d'armes à 18 000, ça va être bizarre. Et si c'est l'autre, bon, on continue en ligue, donc forcément, là on est en master, on va jouer contre des équipes plus fortes. Donc c'est à vous de choisir. Voilà. Lohan, tu prends la suite ? Donc tu regardes à, je sais pas, juste avant que ça soit 30, enfin au pire dès qu'on revient, tu regardes le nombre de retweets favoris et enfin, faudrait que vous trouviez une question en gros. Quoi ? Faudrait que vous trouviez une question genre à poser. Bon, c'est facile avec tout ce qui nous arrive là. D'accord ? Et en fait, en gros, on va vous poser une question sur Twitter. Faudra pas répondre sur Twitter, faudra m'envoyer. Oui, si jamais, non mais j'explique, si jamais, hop, si on fait ça, si on fait le truc avec les abonnés. Attends, je vais voir vite fait déjà à combien de retweets favorisés. Je réponds parce que je suis neutre. Ouh là là, ouh, c'est chaud. 238 retweets pour jouer avec des abonnés et 469 pour qu'on continue la ligue. Donc c'est vous qui décidez, vous pouvez encore tout changer, vous allez juste sur Twitter. 350 retweets en 15 secondes, il a dit. Donc c'est vous qui choisissez, donc nous on va actualiser tout le temps. J'avoue, j'ai mis le tweet il y a 35 secondes. C'est un truc de ouf, mec. C'est un truc de ouf. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde sur le stream. Nous, on revient. Si on prend le truc des abonnés, on va réfléchir à une question de notre côté. On vous la pose sur Twitter. Et si jamais ce truc avec les abonnés, c'est les premiers qui répondront, qui m'enverront un message à Millennium Gotha. Donc le GT, vous le voyez voilà, en face de votre écran. Oui, oui, faut attendre la question. Faut répondre dans le message. Vous pouvez déjà préparer l'expéditeur, nouveau message, Millennium Gotha. Si jamais c'est choisi, vérifiez les tweets, les favoris. Comme on dit, on fait la majorité. Hein. On est en démocratie, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment la majorité. Je sais qu'il y aura des déçus, mais voilà, on fait ce que les gens préfèrent, simplement. A tout de suite. Salut. Donc je vais mettre le casque, je ne sais pas pourquoi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à tweeter @gotaga. Je suis sur son compte, donc je regarderai les tweets. Les go. Alors, je vais juste regarder pour l'instant où on en est au niveau retweet favori. Pourquoi tu mets le casque ? Je sais pas. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de favoris. Si tu veux qu'on continue en mode ligue. Ouais, c'est quasiment, ouais, pas le double, mais on n'est pas loin. Donc c'est pas trop mal. Donc je pense qu'on va continuer en ligue. Il y a de très grandes chances qu'on continue en ligue. Sans vous inquiétez pas, on continuera des trucs avec des abonnés. Mais bon, le truc là en ligue, c'est qu'on peut continuer à jouer contre des abonnés. Parce que là, on a joué quasiment que des Français. À part quand on a eu chaud là, qu'on a joué une bonne équipe. Je dis pas que les Français étaient nuls, mais c'est juste qu'on a joué une équipe qui était connue. Donc voilà. Donc je vais regarder les questions. Si il y en a, donc tweeté @gotaga si vous avez des questions. Est-il envisageable que le competitive sniping se développe? Oui et non, on va dire. Oui, parce qu'on va dire que sur YouTube ça marche très très bien le sniper. Et après, ça a jamais. Comment dire? Je pense. C'est pas, on va dire. Ça va être bien regarder tout ça, mais ça sera pas super professionnel, on va dire. Donc ça va peut-être se démarquer, y avoir des trucs fun peut-être. Après, bon, je sais pas si ça va devenir quelque chose de ça peut devenir quelque chose de grand, mais je pense pas ça va pas être très très pro, quoi. Voilà, pour moi c'est mon avis. Après, ça peut le devenir, hein. Passe le bonjour à Gaulle, la part d'un compatriote. T'as un Belge qui passe le bonjour. Bonjour à toi aussi. Le teaser, s'il vous plaît, quand Gotay revient, il vous met le teaser, je dirais. J'ai une super question. Pourquoi c'est l'eau le plus beau du monde? Plus grosse passion pour le rugby ou code?
on va dire qu'en ce moment, sans mentir, j'ai laissé le rugby de côté parce que je ne sais pas ce que j'ai à la main, je dois peut-être me faire opérer. Donc, j'ai laissé le rugby de côté pour jouer à COD. Donc, on va dire pour l'instant, quand même, c'est COD. Mais derrière, il y a le rugby et après le foot. Même si ça peut paraître bizarre qu'il y ait le foot. Parce que par exemple, Agony dit que le rugby c'est un sport de merde, ça s'entend pas, il est là. C'est un con gros con. Un autre qui passe le bonjour à Ago, ce soir du zombie. Bah, faut voir. Moi je dis pas non, mais en gros si on, comment dire, si on fait du zombie, le truc c'est que vous nous entendrez pas sûrement parce que moi je suis vraiment loin, je suis à quoi, c'est quasiment 3-4 mètres, donc le micro est juste ici. Donc voilà, vous êtes dans les locaux Millennium, oui tout à fait. Lohan, tu campes, mais on t'aime. T'as arrêté l'école, ouais, mais je dois reprendre par correspondance. Donc Gotha, après, faut que tu mettes le teaser. Le teaser, s'en a eu les retours favoris. Oh, c'est Ligue. Ligue de très loin pour l'instant. Donc je regarde vite fait le retweet favori. Ouais. Attends. Bah si. Fav, si tu veux qu'on continue le mode ligue. D'accord, je regardais, c'était pas le mode. Ok, ok. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres ? Ça s'actualiser. On veut voir le French Camper en action. Johan, pour toi, la plus grosse différence niveau des certos entre mourir. Je pense que c'est la puissance des SMG en ce moment. Après, si c'est changé, faut voir. En ce moment, la plus grosse différence, c'est la puissance des SMG. Pardon. Après la ligue, il y aura possibilité de jouer contre vous. Bah, le truc, c'est comment dire, nous on a dit qu'on allait jusqu'à 23h. Après, il y a peut-être des gens, d'autres personnes qui vont vouloir stream. Et ça peut peut-être poser problème. Donc, ouais, mais je sais pas. Justement, on ne sait pas. Donc pour l'instant, c'est jusqu'à 23h. On verra après si on continue. Si on continue. Ouais. Bah, on verra. Ouais, voilà. Bon, Gotha, je te laisse tout reprendre. Vas-y. Allez. Moi, je retourne jouer, les potes. Tiens. Je t'ai refait la chaise. Ah ouais, la chaise. Tu fasses la mienne maintenant, Van. Hein ? Faut que tu fasses la mienne aussi. Ouais, mais bon. Bon, alors. 21h38, donc je préviens, hop, que je balance le teaser. Dans 30 secondes, le teaser de notre entrée chez. Bonne. Ouais. De quoi ? C'est fait, de tout à l'heure. Hein ? De quoi c'est fait ? Tu l'as tweeté ? Mais non. Putain. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus. Ah d'accord, ok. Dans 30 secondes, le teaser de notre entrée chez M Millennium. Je remets le lien. Bon, par contre, nous, on n'a pas le son parce que sinon, ils entendent mon écho. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les gens ? Donc, j'attends que les gens arrivent au cas où s'ils veulent venir juste pour voir ça. Hop, je remets mon écran en machin. Il y en a qui veulent qu'on fasse du zombie aussi. Ah, du zombie, ça peut être. Le truc que j'ai dit, c'est qu'on n'apprendrait pas tous. Quoi. Ouais, le truc, c'est zombie. Que. Bon, en fait, le zombie, ça peut être drôle, mais en fait, à faire en live, mais pas comme ça, en fait. Quand on entend tout le monde, parce que là, en fait, il y en a qu'un qui peut parler, enfin, il y a le micro global là. Mais voilà, on est loin l'un de l'autre. Loan, il est à 2 mètres de moi, et le micro, voilà, vous devez l'entendre parler tout doucement. On peut pas faire en écran scindé. Enfin. Le truc c'est. Enfin je trouve pas ça. J'aurais trouvé qu'il fallait prendre un CD et là comme ça le coup il est propre. Faut voir, mais faut dire aussi que le zombie ça dure très longtemps des fois. Enfin, que le truc a... pour ceux qui ont vu la vidéo sur la chaîne de Warsec. Ça dépendra de quoi ça. Si on veut, on peut continuer de la si ouais, si on demandera. On demandera putain. Bref, voilà, ça fait 30 secondes donc je vais balancer le teaser. Ah tout de suite les gens, donc hop, là je le prépare. Si, c'est sensible ça. Et oui, c'est sensible, hein, c'est vraiment bien sensible. Y'a tel lui en gros. Hop, je le prépare. Je mets ça au début. Et hop, Nigo. Allez, à tout de suite les gars.
Sloan Granixny, Loan sur le jeu. Je suis un peu le joueur défensif de l'équipe. Donc moi, quand j'ai appris qu'on allait rejoindre Millennium, j'étais très content parce que pour moi, Millennium, ça représente un peu le professionnalisme. C'est un peu le rêve de tout gamer. Donc on va dire ravi et très très fier d'avoir la couleur violette sur les maillots. Rentrer chez Millennium, c'est aussi avoir l'opportunité d'avoir une gaming house donc à Marseille. C'est un gros plus pour nous, sachant que Millennium, c'est la seule structure en France qui a une gaming house, et forcément sur console on n'a jamais vu ça encore. Et voilà, l'accueil a été énorme, toutes les personnes dedans sont géniales, donc franchement c'est que du bénéf pour nous. Salut à tous, c'est Maxime Di Falco, aka Agony. Alors quels sont nos objectifs pour l'année 2013 chez Millennium? Donc c'est déjà faire terminer top 1 pour toutes les LAN européennes et françaises. Et on va tout faire pour y arriver. Et je pense que Millennium vont nous pousser pour y arriver. Salut à tous, donc c'est Samir, mon pseudo c'est Diablo the Tank. Je suis le slayer de l'équipe, donc c'est-à-dire que je vais devoir faire le plus de frags dans l'équipe. Donc je souhaitais passer un petit message à toutes les personnes qui nous suivent, donc pour suivre encore l'actualité, donc je vous conseille d'aller sur le site millennium.org, et pour toutes les personnes qui ne nous connaissent pas encore, vous allez apprendre à nous connaître. On se retrouve donc, pour ceux qui n'avaient pas eu le teaser, certains ont dû le voir deux fois, trois fois, enfin je sais pas. En tout cas moi je le kiffe et voilà, Clément Parquez, le teaser me fait bander. Non, bader, excusez-moi. Ouh là là, Gotha. Non, c'est l'effet Diablo à côté. Vous êtes les meilleurs et des petits cœurs dans l'espoir de vous parler sur Skype. En tout cas, merci à toi. Qu'est-ce que tu fais toi? Il branle-le. Ce teaser est simplement incroyable, il est trop bien le montage, il a dit je la kiffe. Nous aussi, c'est pour ça que j'adore le repasser. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Donc, je vais faire un petit résumé de ce que les gens ont demandé sur Twitter. Je vais tweeter donc où on en est. Alors. 504 pour le jeu d'armes avec les abonnés et 900, pratiquement le double pour le mode ligue. Donc comme j'ai dit, la majorité l'emporte, donc là peut-être que les personnes veulent peut-être nous faire se faire défoncer en ligue. On va voir, en tout cas on va tomber contre des bonnes équipes, ça c'est sûr. Ouais. Donc je prends un push pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. Hop, je l'ouvre. Je tweet et on est reparti. Loan, tu peux lancer. Loan. Donc désolé à ceux qui voulaient peut-être qu'on fasse, qu'on change ou quoi. Mais comme j'ai dit, voilà, on peut pas. Comment dire? Ouais, peut-être que le fait qu'on ait commencé par la ligue, les gens, enfin, ils ont vu que du coup, vu qu'on a un master, peut-être que. Ouais, il va y avoir du niveau donc. Ouais, là c'est clair qu'il va y avoir du niveau logiquement. Donc je pense même que les gens qui ne voulaient pas de ligue. Mais j'espère que ça vous plaira quand même, hein, ceux qui ont voté pour l'autre. J'espère que ça, voilà, ça vous fera. On va voir la ligue, je pense qu'il y aura beaucoup de niveau là. Hein. Les Ace et le Angel Lixis, c'est celui de tout à l'heure. Hop, j'ai retweeté et c'est parti. On continue donc. Allez, Jacket encore. C'est quoi? Point stratégique? Ouais, je vais aller Chicom. Après, je me ferai d'autres SMG. Je vais faire la Vector. Non, pas la Vector, la Scorpion et je sais plus quoi. Point stratégique identifié. L'ennemi a pris le point stratégique. À gauche. Il y en avait un autre. Ils arrivent dans le bâtiment en face de toi. 2-2-2-2-2. On a pris l'avantage. J'ai. Je prends la droite. Il y en a un à gauche. Derrière. Désolé. Encore. L'autre était à gauche. Le titre à gauche, il va sûrement arriver dans votre allée. Je regarde à droite. Personne à droite. Drone de brouillage en alliance. One shot sur ma croix, il arrive mid. GG. Rappelez-vous du point, le prochain il est dans l'autre spoon. Et j'ai un gardien donc je vais essayer de le mettre juste devant.
Attention, sûrement dessus. Il a pas sur le point, hein. Merde, j'arrive pas à passer par dessus. Il y a beaucoup, il y en a. Les deux derniers sont là, à droite. Désolé, Ago. Drone de brouillage en approche. Point stratégique menacé. Largage aérien ennemi en approche. J'ai mis un gardien devant l'entrée. Hein, donc c'est pas à gauche, Loan, c'est pas arrivé dans l'entrée. Mais regarde là à gauche, regarde. Il arrive, maison dedans. One shot dedans. Mais non, j'ai plus sur la palette. Faites gaffe, prochain souterrain, les gars. Non, allez-y, moi je mets mon gardien. Point stratégique menacé. Oh non, il s'est détruit. Putain. N'avance pas. Point stratégique identifié. Regarde dans le dos. Ago, tu prends derrière. On ira dans le dos avec Ago. Vas-y, va avec Loan, T'inquiète. On occupe. Encore, j'ai plus de balles. Encore deux. Dans one shot. Point stratégique menacé. GG Ago. Point stratégique menacé. Grenade. Le prochain il va être dans notre spoon. Il spoon derrière vous. Ouais, ça arrive. Point stratégique. Reste là le mec qui est à droite là. Ah non. Il y en a qui t'attend en gros là. Point stratégique identifié. L'ennemi tient le point stratégique. Drone de brouillage en attaque. Attention, drone ennemi en approche. Drone de brouillage en approche. On la voit là rouler. Bien prêt à être déployé. Attention, largage ennemi en approche. Mais non, mais il voulait pas se mettre mon gardien. Putain, je gère pas le gardien. Point stratégique. Point stratégique menacé. Ah, il est au mid le prochain. Passe à gauche. Je scope la gauche, man. Point stratégique menacé. Prochain mid. À gauche. Point stratégique. Deux. One shot à droite, one shot dans le bâtiment droite. Bâtiment droite. Largage aérien ennemi en approche. Oh, j'ai touché. Attends, j'ai chargé vraiment de 4 dessus, mais... Encore, à gauche. Derrière. À gauche. Drone en approche. Alors, on va mettre ça ici. Ouais. Ou quoi, à droite? Couvrement allié. Samir. Samir, il a un vrai truc, une tourelle, un truc du même côté, mon gars. Juste attendre là, logiquement les deux autres trucs sont cover. Ah, deux. Oh, elle peut pas rentrer par. Tu restes sur le point, Alon? Ouais. J'ai à gauche. À gauche. Mine, plein mine. Attention,
Lance-grenade multiple ennemi. Vas-y, Diable, viens rechercher ton matos et mets-le à l'entrée du souterrain. Hein, viens rechercher ton matos et mets-le à l'entrée du souterrain. Voilà, y'a un mec souterrain, y'a un mec souterrain. Viens. Yoann, va le tuer, s'il te plaît. Dedans ils sont beaucoup, dedans ils sont beaucoup. Allez, voilà. C'est marrant ça, hein. Allez, tu veux. Jacques. Largage aérien ennemi en approche. Drone ennemi en approche. Point stratégique menacé. Drone de brouillage en attente d'ordre. Pourquoi je peux pas mettre mon gardien? Ah, y'en a trop! Y'en a trop sur la map! Ouais, ouais, je te jure. Drone de brouillage en approche. Ah, du C4! Je peux pas mettre de. Non, mais c'est bon, on va gagner là. Encore, dernier. On a tellement mis de gardien sur la map que. GG les gars. Drone de chasse ennemi en approche. On commence vraiment à gérer. Ouais bah c'est règle américaine, c'est cool. Enfin, je crois, je suis pas sûr qu'ils aient gardé le gardien. Là ils l'ont pas. Même les drones ils l'ont pas. Drone, gardien, tourelle. Tout ce qu'on a pas droit ils vont enlever. Tout ce qu'on a pris ils vont enlever. Gros truc d'épée. Bah non, la dernière fois au stream ils avaient des tourelles. Ah ouais. 34ème. C'est plutôt bien. On va faire 400 points à prendre. Je vais voir s'il n'y a pas des nouvelles questions. Ça me saoule d'arrêter dans 10 minutes, mais un gros GG à vous. Bah merci, et j'imagine que c'est parce que t'as cours le lendemain. C'est compréhensible, les cours ça passe quand même avant, faut se dire ça. Donc en tout cas, on te souhaite une bonne nuit, puis on te dit à la prochaine, il y en aura beaucoup des lives comme ça, t'inquiète pas. Pourquoi sur le live on voyait des bruits d'assiettes. Donc quoi? Pourquoi sur le live on entendait des bruits d'assiettes? C'est en train de se faire à manger, parce qu'il n'y a pas que nous dans la gaming house, hein. Il y a d'autres joueurs pro. Sur d'autres jeux comme StarCraft, League of Legends, donc on n'est pas seul. Ça se passe comment demain? On sait pas. On sait pas à quelle heure on doit prendre le train, on sait pas quand est-ce qu'on doit partir. Ago, tu viens d'où en Belgique? Verviers? T'aimes pas dire Gravier. Oh, y'a Jake qui est en face. Si, j'ai une double, je vais te rendre parce qu'après, ils disent individu, ils savent pas non plus, ils s'en foutent. Hein? Oh, j'ai bien aimé faire ma scorpion. Pourquoi? Mais non. Si. T'as perdu. Ils ont fini combien, top 2? Allez, dis-le, Hugo, dis-le là. Dis-le. Ils ont fait top 2 à la dernière. Non, mais top 2 au long monde. Mais les deux, ils le savent. Largage aérien allié en approche. J'ai dit. Ah, ok, d'accord, pardon. Tu sais, quand je parle comme ça, ils m'entendent, hein. Sécuriser les zones. À droite. Ah, j'ai pris du retard. Point stratégique identifié. L'ennemi a pris le point stratégique. Largage aérien ennemi en approche. Nice, les gars. Avancez. Elle a 2. Encore. Il est sain. Non, mais il a du. Vas-y, n'avance pas, go, n'avance pas. Non mais c'est parce que moi je me dirige vers l'autre. Je prends derrière toi, Loan, Je prépare l'autre, les gars. Ah, deux à gauche, deux. Largage aérien ennemi en approche. Vas-y, moi je reste à l'autre, hein. Les gars, vous gérez l'autre. Bah oui, mec. J'en ai touché un. Ah bah, je l'ai tué. Check en 06. Ouais, bah là il peut pas faire grand chose, il est pas avec cette team en même temps. Drone en approche. Oh, 07. Oh, le gamin. James Bond.
Jake en mode 0. Ah non, les assises maintenant ça passe pas. Ouais, ça lag, ça lag, ça lag, ça lag. Oh, d'où je l'ai tué. Ouais, on est dedans, il va. Ouais. Gardien prêt à être déployé. Y'a un qui va sur eux. Tourelle auto prête au déploiement. One shot, il va bien one. Il rentre, il rentre, il rentre. Les gars, y'a que le middle, regardez. C'est encore, ouf. Encore middle, encore middle. Merde. Un 12, tu sais, Jake. One shot mid. Regardez juste le middle, les gars. Y'a les score tricks qui sont là pour le reste. Nice, la coco. Et y'en a un qui se fait toucher de l'autre côté. Y'en a un qui se fait toucher par un gardien. Y'a un gardien, il fait trop mal. Ah, ils sont deux, ils sont deux. Il va à droite. À la sortie en face de toi, en face de toi là. Ah oh, j'ai plus de balles. Un qui arrive dedans. On respawn loin les gars. Point stratégique menacé. Ah, le prochain les gars. Oui, il y avait une bêtise. Fais gaffe, avion de chasse. Attention, drone de chasse ennemi en approche. Top. Tourelle, aide-moi. Top, Jake, top. Non, le petit avion il m'a tué. Attention, largage ennemi en approche. Ma tourelle elle tire sur des gens. Top, middle, il arrive, les plus pousse. Non. Comment je fais pour l'enlever? Ouais, rush kit. Putain, on peut pas la changer la tourelle. Attention, drone de chasse ennemi en approche. C'est quoi l'ennemi en approche? Pas. Ils ont détruit ma tourelle auto, c'est-à-dire qu'ils sont derrière. Eh, c'est passé par la fenêtre sur vous, les gars! Largage aérien ennemi en approche. Vas-y, Loan, on prépare le prochain. Vas-y, là, j'attends, ok? Ah, il a j'arrive, on l'attend, vas-y. Allez, tiens, mais c'est pas lui la greu. GG. Oh non! Et y'en a deux dessus, barre-toi, je m'en occupe. Ouais, ça va arriver en face de toi, Amras. Vas-y, je garde le mid. Prends derrière le mid. J'ai un gardien, je vais mettre de quel côté, les gars. Ouais, ils sont deux. Point stratégique menacé. Point stratégique menacé. Gota, Loan, prends le côté. Y'a mon gardien ici. Fais gaffe, il prépare peut-être le prochain. Non, je vais contourner, je vais au prochain, les gars. Je pars. Vous êtes au prochain? Merde, désolé. Regarde en ton dos. Les gars, il faut que quelqu'un prenne la place. Derrière moi, tourelle. Hop. Ça va, c'est tu, mais j'ai mis un gardien. Ok. Un qui prend le mid, j'ai la droite. Encore un mid. Allez, bolos. Je reste dessus. Faut qu'on reste dessus, les gars. J'ai cru voir. À gauche, middle. Ouais, c'est pour ça que je suis revenu. À gauche sur toi. Il est où? C'est ouf la tourelle. J'ai les gars. Putain, hey, j'avais trop de trucs à la fin. Hein? J'avais trop de trucs à la fin, j'ai des morts tous. Ça a demandé notre ville la plus facile après les gens en face. Allez, là le shoot. Ça c'est du shoot. Hop. Regarde, l'autre est parti, il avait peur de mon shoot. Il est parti, regarde, maintenant elle le suit. Hein. C'est mortel en fait. Hein. Call of Duty, une passion, ensuite un métier, es-tu fier de ton parcours et tes coéquipiers, les Rapid Fire, sont-ils autorisés en LAN? Alors, il a fait plein de questions d'un coup. Ah ouais, bah c'est beau. Bah ouais, c'est bien.
Cavity, une passion, ensuite un métier, plus ou moins. Après, ouais, c'est clair que vivre des jeux vidéo tout en. Comment dire. Tout en. Que ça soit la passion, c'est. Voilà, c'est énorme. Parce qu'on fait quelque chose qu'on aime et on peut gagner de l'argent avec. Donc voilà. Es-tu fier de ton parcours? Oui, vraiment, je suis fier de mon parcours. Et tes coéquipiers? Ah putain, tu m'as démonté. Il est plus fier de ses coéquipiers maintenant. Ah, je te jure, vas-y. À quoi fier? Alors, t'es fier de tes coéquipiers, Gota, ou pas? Est-ce que tu es fier de tes coéquipiers? C'est pas ça la question. C'est quoi? Et tes coéquipiers, est-ce qu'ils sont fiers de leur parcours? Ah oui, bah oui, carrément, ouais. Bah, j'ai un bon parcours, enfin, à part sur Code 4 où c'était un peu difficile, mais sinon, par la suite, ça s'est avéré très bien pour moi, donc je suis très content d'avoir atterri ici. C'est nickel, hein. Voilà. Thiago et Loan, on a fait la moitié du parcours ensemble. Quand je dis la moitié, c'est les trois quarts, donc... Ouais. Donc c'est un peu pareil. Et les Rapid Fire sont-ils autorisés en Colorado? Non, pas en compète. Gota. Bon allez, go. Ah, j'oublie à chaque fois. Quelqu'un peut me rappeler sur Twitter à la fin de cette game, s'il vous plaît, de me faire une classe. De me faire une classe. Dédicace à toi, Angel Dixis, parce que lui, il rejoint depuis tout à l'heure. Il a mis à Gota tout à l'heure. Je sais pas si c'est pour Agony ou pas. Mais au final, il met Gota maintenant, donc c'est sûr. Et j'étais pas sûr. Il est pareil. Mais non. Ah oui, tap gauche. Eh oui, mec. Droite. Salut, mec. Derrière toi. Il est mort. Ok, derrière toi, je vais l'avoir. Il y en avait en face là. J'ai tellement sûr de moi, tu vois, je suis en train de marcher sur le rebord. Oh. À droite. Je sais pas comment les Américains ils font pour avec ces règles, hein, sérieux. On a pris le drapeau ennemi. De toute façon, on va revenir avec nos règles, tu vois. Tu vas nous voir. Oh non, il m'a tué. Il a géré. Tu vas nous voir et être choqué quand on n'aura pas nos gardiennes. C'était les baskets. Salut mec, t'es mignon dans ta petite. Dans ta petite plante. Et il a failli me tuer, hein. C'est quoi cette cover Diablo là? Ah, tu parlais de la cover que t'as fait tout à l'heure aussi? On peut en parler si tu veux. Drapeau ennemi capturé. L'ennemi a pris notre drapeau. Le porteur ennemi est à terre. Quoi rapporter ou pas? Notre porteur est à terre. Notre drapeau est sécurisé. On a le drapeau ennemi. Il est à droite, on va dans la ligne droite. On a perdu leur drapeau. Là, du coup, tu vois, ils jouent pas les objectifs et ça, c'est un peu chiant. Drapeau ennemi capturé. GG. C'est bon. On a pris le drapeau ennemi. Comment est-ce? Ah si, je me disais. Drapeau ennemi capturé. À droite, il va escalier middle. Et j'ai là celui qui est en train de remettre notre drapeau. Le drapeau ennemi est à nous. Drapeau ennemi capturé. Drone en approche. À droite. Oh, y'en a un qui a quitté en face. Coordonnées de foudroiement reçues, en approche. Basket. Drone de brouillage en attendant. Ah, on a perdu leur drapeau. Lance-grenade multiple en attente. Drapeau ennemi en place. Gardien prêt à être déployé. Bon,
Il est à gauche dans le coin. Dans le coin. Tourelle auto parée au déploiement. On a le drapeau ennemi. L'ennemi a pris notre drapeau. Je vais pas couvrir. Notre drapeau est perdu. Notre drapeau a repris sa place. Drone allié en approche. Ah, ils ont détruit mon truc, non. On a pris le drapeau ennemi. Il reste peu de temps. Drone de brouillage en attendant. Il y en a un à être déployé. J'ai plus de balles. Le drapeau ennemi est à nous. Mais il tire sur qui? Il tire sur qui la tourelle? Bon boulot, attention à l'approchement. Je sais pas. J'ai pas compris pourquoi t'as dit comment les Américains font pour jouer avec sa règle, parce qu'en fait les Américains ont pris les mêmes règles que le mode League pour que les personnes connaissant pas la compétition soient plus aptes à les rejoindre, si je puis dire. Parce que là c'est facile, tu lances de la ligue et boum c'est bon t'en fais. Ouais, ils sont trois. Il y a toute la famille là les potes. D'accord. Et donc du coup ils prennent les mêmes règles même s'ils savent très bien qu'elles sont moins skillées, c'est-à-dire que mettre des gardiennes et des tourelles. Oh ce qu'il vous a mis. Oui, je me suis mis derrière toi tu sais. Mettre des gardiens, voilà, genre faire ça pour défendre un drapeau, voilà, c'est... Y'a aucun niveau à faire ça, tu fais 3 kills et c'est bon, t'as ton gardien, c'est vraiment nul. Activer les scorpiques en compétition. Ils font juste ça pour, voilà, pour attirer plus de monde sur leur site, pour faire plus d'argent. Mais bon, c'est un peu... D'un côté, ils ont raison, c'est un peu le business, mais... Voilà, on trouve ça... Du coup, nous, les Européens, on n'a pas du tout... On n'a pas du tout les mêmes règles. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas les score streak. On a des armes qui sont bannies. On a des armes qui sont bannies. Il y a quoi d'autre? Lance-grenade multiple parée au déploiement. Et on tient. Qu'est-ce qu'on a d'autre de plus que... Enfin, qu'est-ce qu'on a enlevé? Nous, on a enlevé des maps qui sont pas trop familiarisées avec... Le drapeau ennemi est à nous. Avec, si je puis dire... Drapeau ennemi capturé. Avec le capture drapeau, je sais pas là. Oh. Il m'a pas vu. On a perdu leur drapeau. Il est mort. Drapeau ennemi capturé. Ah là là, bref, je trouve que c'est vraiment pas top leur règle. Mais bon, après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est leur règle. Oh, je suis sûr. Le drapeau ennemi est allé. À gauche, basket. On a le drapeau ennemi. Mine, il revient vers toi. Notre porteur est à terre. Merde. Drone en approche. Un sur leur drapeau qui va à droite, il est one shot. Et t'en as un autre sur leur drapeau. Le drapeau est derrière toi, Samir. Samir, il s'en fout. Pourquoi je suis en onoscope aussi? Je suis con, il y en a un sur leur drapeau, one shot. Il va arriver mid. Coordonnées de déploiement reçues, on approche. Ouais. Parce que là, il y a personne. Sniper.
On a tellement, regarde, tu regardes le radar, il y a des gardiens de partout. Là non, c'est un drapeau dans l'escalier, one shot. C'est barré. Il y en a trop sur le truc, non? Il y a trop de trucs, tu peux plus mettre tes... Regarde toi, je le tue. Je vais essayer de prendre en duel ma tourelle. On a le drapeau ennemi. Allez, dégage-toi. On va gagner ce combat. Allez, basket, allez, basket. On a pris le drapeau ennemi. Ah, en ligue, je crois. Au chrono. Attends, en fait, ils sont trois quoi. Drone de brouillard, on attend. On a perdu leur drapeau. Drapeau ennemi capturé. Lance-grenade multiple paré au déploiement. On a pris le drapeau ennemi. Ah. Regardez une tourelle. Gardien, tourelle, j'ai coché comme on peut. Ton couteau est en or, non, pas du tout. Tu peux jouer PDW de One Game s'il te plaît. Bah voilà, maintenant faut que je me rappelle du coup. J'avais fait une scorpion, j'ai fait une PDW. Et puis voilà, je pense que j'aurais fait à peu près le tout. Mission terminée, belle victoire. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles? Ah, mais c'est pas les... C'est pas les vrais, c'est pas les vrais. Ah, je commence à être creux, par contre, je commence à... Alors, un putain de coup de barre. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a... Enfin, t'as dit, on a presque pas dormi. On souffle, ouais. Qui a fait fuir tous les autres millions de sa chambre. Voilà, j'ai fait mes classes. Pourquoi je mets une poignée sur ça? Un handicap. Grade 30. Plus que 20 places pour le top 10. Comment as-tu déjà le diamant sur tes armes? Bah, faut simplement faire les headshots avec, quoi. Tu fais quoi, go? On fait une pause sur l'escalier, on sait pas pourquoi. Et comment on va trop bien dormir aujourd'hui. Ah, comment on va trop bien dormir. Je vous dis, je pense que là, 23h, on finit le live. On va aller dormir, mais faire une de ces nuits. Non, faire des pâtes déjà. Quoi? Et faire des pâtes. Ah oui, les pâtes. Moi j'ai pas faim, moi j'allais dormir direct. Pourquoi? Je sais pas ce que tu veux. Je sais pas ce que tu veux. Déjà. On est pas? Lance, Loan, s'il te plaît. Et il me faut la recette. Tu es sérieux, là? Hein? Tu mets la top. Non, il me faut la recette. Recette des pâtes. Eh. Je vais faire de la crème fraîche, non? Tu veux pas manger, Loan? Mais je veux. Fais le malin après, après il va manger. Grave. Papa, la pala, j'essaie de voir les commentaires. Salut Gotha, quand une prochaine LAN en janvier. Une fois en décembre, je sais pas encore. C'est bizarre, fait comme mec. Comment as-tu déjà le diamant avec le compte Millennium? Bah, c'est mon compte. En fait, je vous explique. Sur l'Xbox Live. Sur Xbox Live. On peut changer les gamer tags, c'est-à-dire qu'on garde tout le temps le même compte. Moi, ça fait. Attendez, je vais vous le dire. Profil. Profil. Mais
Voilà, vous voyez le petit 6 en haut? Ça veut dire que ça fait 6 ans que ce compte est créé, donc en fait, à chaque fois que je change de structure, je change mon gamer tag, tout simplement. Ouais, stratégique. Oui, il y a pas mal de M, ils sont... Mais des étés. À chaque fois qu'on le joue, il a un nouveau tag. Voie stratégique identifiée. On a avancé. Oui, c'est la scorpion là. Vas-y, y'en a un qui arrive middle one shot. Normalement, c'est pas canon long que j'ai, c'est chargeur rapide. Ouais, ah ouais, c'est classe, mais bon, elle a l'air pas mal comme ça aussi donc. J'ai plus de balles. Ah, ils sont encore là. Les 2-2-2 sur l'autre main. Ça va, Luan? Ça va, mec? Tranquille. Ça arrive poubelle, one shot. Et Diablo, avec mon gardien, j'ai touché quelqu'un. Plus de munitions, stand by. Ça arrive là. Oh, encore, avec la middle. Ouais, ça va. Tu vas crever avec mon gardien, toi. Tu vas crever avec mon gardien. Ouais, stratégie, capturé. Je vais à l'autre, moi. Drone ennemi en approche. Ça rapporte trop de points, le gardien. On va rester là, hein. Oh. Ouais, stratégique, capturé. J'ai à droite, ok. Il y en a un top middle. Ouais, stratégique identifié. T'es en train de détruire mon gardien, ouais, je crois. L'ennemi a détruit votre gardien. Là, je me top. Il arrive mine ou pas? Je dois charger. Ça va sauter, ça va sauter, ça va sauter. Ah, mur. Là, sur le point, go. Gardien paré au déploiement. Désolé, je suis passé par le rebord au moment où il est passé par là. Tourelle auto, prête au déploiement. Il est mort. Oh, one shot dessus. J'ai des gardiens, j'ai des tourelles, mais il faut les placer quoi. Drone de brouillage allié, on approche. Encore, les gars. J'ai même pas vu à droite. Oh, ça va. Ah, dans le bâtiment. Encore. Bon, bah, les gars, au pire. J'ai envie de vous dire. Voilà quoi. Non. Ça va, il fait deux par mille. Attention, le déploiement est imminent. Voie stratégique identifiée. Juste à rester 1000, je crois, et c'est bon. Attention, drone de chasse ennemi en approche. Oh, c'est ma vie, il arrive en haut. Salut mec. Ouais,
Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Faut aller au prochain, je vais au prochain. Ouais, faut aller au prochain, gars. Je reste dessus en attendant. Voie stratégique menacée. Je recharge. Drone de brouillage en attente. Il est là, il est là, il est là, dessus. Drone de brouillage en approche. Gardien prêt à être déployé. Oh, il a pris trop cher. Gota, gota, gars. Non. Tourelle auto, prête au déploiement. Point stratégique, capturé. Pas d'état, j'avoue. Je dois recharger. Je reste de l'autre côté. Wow, tu déballes. One shot, one shot. Je fais un double avec mon truc. Voie stratégique identifiée. C'est eux là ? Genre ? Couvrement ennemi imminent. Attention, j'ai entendu sur drone de chasse ennemi en approche. Ouais. Non, c'est pour la mine. Mid, 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 deux mid. En mid, on voit que sa tête. Deux, gauche, 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 point stratégique identifié. L'ennemi a pris le point stratégique. Point stratégique capturé. Point stratégique menacé. On approche. Oh, il m'a tué, genre il m'a tué. Oh, j'étais dans derrière le mur. Bon, on gagnera pas, vas-y, on va au prochain, on garde le prochain au bout et puis c'est bon. Stratégique identifié. Encore, encore, middle. Drone ennemi en approche. Maintenez la pression. Ok, on prend l'escalier, prends l'escalier, prends. Ah, ça arrive à gauche, ça arrive à gauche. 10 secondes. One shot dessus, one shot dessus. Deux dessus. Ah, derrière toi, je crois, non ouais. À gauche, à gauche, à gauche. Ouais, appelle The French Monster, il va le calmer. Et The French Monster. Et je suis en train de passer sur le live. Et hey, Gotaga fait un petit sourire. Regarde, il rigole. Rien faire. Ah. En tout cas, c'est sympa de jouer des gens comme ça. Bon, Samir, on se fait une dernière pause et on fait la dernière ligne droite. Ouais. Vas-y. Loan, à go, vous enchaînez. Moi, je vais aller pas sur. Vas-y. On vous laisse les commandes. Vas-y. Loan. Ouh, putain, je commençais à. Désolé, genre, je commençais à crever. Putain, plus tard pour lui aussi. Non, c'est bon, t'inquiète. Tu fumes ? Quoi ?
Ouais. Ce genre, t'es cru sur YouTube, genre ah ouais, ça affiche en tête de page. Genre sur le mur de Facebook. Ouais, c'est un peu ça en fait. C'est pour prévenir au cas où les gens. C'est écrit sur le mur de Facebook, quoi. Hop, vas-y. Hey, tu commences à être défoncé, tu sais. Je vois. Bon. T'enchaînes à go ? Allez là ! Allez, là, ça vient. Mais venez maintenant ! Pourquoi tu veux pas ? Moi je veux. Ah. Bon, vas-y, ça vient, tiens. Hein ? Non, j'arrive. Il est passé de la cigarette. C'est quoi? Tiens, c'est le premier. Allez, viens, viens. Eh les gars, sérieux, faut qu'à la fin, moi. Ah, go! Avec une envie. Folle! C'est où qu'on voit les questions? Donc comme je vous ai dit, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à envoyer un tweet sur Twitter de Gotaga. Moi je suis dessus, je suis sur les petits trucs, j'attends ça. Et puis voilà. Lohan dit bolos, s'il te plaît, ça me fait rigoler. Pourquoi ? Je crois qu'il m'a dit ça. Donc on y est. Bah oui. Donc, Lohan t'a kiffé lui, quand je t'ai tué. Ouais, on vient de jouer contre toi. Donc, alors... C'est quoi ton casque, Lohan? Bah, c'est un peu le même que celui de Gotha, sauf que le mien, il est vert, c'est un style série Siberia V2 vert. Quel est votre prochaine landfall win ou réflexe? Pourquoi vous avez choisi la structure Millennium et pas une autre? Mais simplement parce qu'on n'a pas eu... Voilà, tout simplement la meilleure, il n'y a pas mieux. Donc, voilà. Franchement, les mecs, vous avez une énorme chance, vous me faites kiffer, grand bravo à vous les gars, c'est sympa. On peut voir les rapports de combat. Je sais pas si en mode ligue on peut les voir. Alors, je suis sur le truc de Gotha. Voilà. Non. T'as peur ou quoi? Donc vous avez vu en gros ceux de Gotha vite fait. Après voilà, j'ai pas envie de tout de suite montrer à tout le monde et, parce qu'il va peut-être faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, on pourrait vous voir à Marseille demain. Le problème c'est que si on partait un jour après, ouais, ça serait sûrement possible. Mais là, ça va être juste impossible parce qu'on ne sait pas à quelle heure on doit partir parce qu'on a un train de prévu, mais on ne sait pas quand. Voilà. Vous jouez avec l'aide à la visée ou pas, bien sûr. Quel site pour commencer la compète? T'as Live and Play, Game Battle ou Deserto. Ago, regarde dans le GSM de Diablo. GSM. GSM. Merci beaucoup d'avoir lu mon micro. Oui. 60. Le Fallen Kingdom saison 2, c'est pour quand? Pour l'instant, on l'a toujours pas prévu. Plus une petite dédiée, donc dédiée à toi, à Star. Et directeur, c'est le frère de mon meilleur pote. Serait-il possible que vous. Hein? Serait-il possible que quand vous rentrez, vous faites quelques parties sur un Far 3? PS3, non. Il n'y a vraiment aucune chance. Désolé. Enfin, bon.
Vous comptez faire encore combien de parties? Bon, on va aller jusqu'à 23h à peu près, je pense. Puis voilà. Vous êtes aussi sur PS3. Moi non, mais je crois que Gotha, oui. Et toi non, aussi moi, non, j'en ai une, mais je joue pas beaucoup. Voilà. Combien y a-t-il de Belges dans la team? Il y a uniquement Agony. Je vous adore, la MY, la Millennium. Re les gens. BG. Ça, Gotha? Putain. Lolo, un petit bisou. Non. Allez, devant le live, allez. Ils le veulent. Il m'a dit. On m'a un message sur Xbox Live. Allez, un petit bisou. Vas-y, voir ton message sur Xbox Live. Attends. Ah, bah, je l'ai supprimé. Oui. Lone, dis-moi, votre Siberia fonctionne sur PC, Xbox, PC, sur PS3, Xbox, PC. Ouais, je pense, t'achètes le matériel qu'il faut avec, par exemple, sur Xbox, t'as besoin d'un mixamp. Donc voilà. Tu peux dire quand? Non. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un mec qui jouait contre moi qui avait dit ça. Agony, à fond avec toi pour ta nouvelle chaîne, GG mec. C'est gentil pour lui, mais il est là-bas. Ils reviennent quand, mais ils sont là. RGT9 et EGL seront sur MLG Rouge ou Règle des Certo, vu que c'est l'Europe. Après, j'aimerais bien qu'ils fassent des règles monde, mais je pense pas que ça va être possible. Tu pourrais me conseiller un casque de game PS3 pas trop cher. Toi qui es sur PS3, coucou, il y a quoi qui est... Ça marche l'Astro sur PS3, non? Ouais, sauf que l'USB, tu peux pas le mettre sur le PC, du coup, t'es obligé de le mettre sur la... Sinon, tu peux pas parler. Ah ouais? Ouais. Ok. Bah, il y a l'Astro Gaming, donc voilà. Vous êtes vraiment trop fort, c'est gentil. Zombie, s'il te plaît. Pire, tu peux faire un void, mais bon, le truc, c'est qu'on entend personne, quoi. Bah, le truc, c'est que il reste 30 minutes, un zombie, enfin... Ouais, c'est bon, c'est clair. Autant qu'on finisse les bonus hebdomadaires. Mais... Pourquoi Diablo, c'est écrit DZT? Diablo's. Parce que, bah, comme Gotaga, il n'y avait pas assez de caractère pour écrire Millennium Diablo, ou Millennium Gotaga, ou Millennium Agony, donc du coup, on a DZT, Diablo de Tank, tout simplement. Regarde la question. What the fuck? Donc, ouais, ou pas quoi. Lohan, tu continues les 20 heures de live, bolos? Non, ça fait longtemps que c'est fini. Continuez comme ça, les mecs, franchement, vous gérez, merci. Peux-tu nous expliquer plus en détail les règles européennes? Hardcore, tu aimes nos rapid fire en LAN, mais les costumes comme la tienne? Desserto, ouais, tout simplement, tu vas sur Desserto, tu cherches les règles. Bon, désolé de te dire ça comme ça, mais en fait, sinon c'est super long, il y a plein de trucs interdits, donc on prendrait un temps monstre. Hardcore, tu aimes, bon, chacun son petit truc, et pas de rapid fire en LAN, mais voilà, des manettes custom comme ça, on a le droit. Salut Lolo, gros billet, pas vous, pouvez me dire vos ratios? Moi, j'ai entre 3 et 3,20. Gotha, il est dans les 3,50. Toi, t'as 3,57. Et Agony, je sais pas. Je sais pas combien il est là. Diablo de temps, je surkiffe ta casquette. Merci, c'est cool. Lohan, fais un bisou à Samir, s'il te plaît. Allez, hop. Damn. Allez. Ça fait grave. Ouais, bon, c'est pas grave, on est une équipe. Ouais, mais. on peut tout faire dans ce. Oui, là-bas, après ce qui se passe dans la chambre, ça reste entre toi et moi, bien sûr. Vous êtes mon rêve, oh, c'est gentil. C'est gentil, les gars. Hein. Dis-moi, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Loan. Au diable. Scuff ou burn? Moi, je joue avec une scuff, mais jamais vraiment testé une burn, pour être honnête. Donc voilà. Loan, tu continues? Non, ça s'est déjà vu, donc on va remonter. Hop là. Ça, c'est bon. La Millennium, votre nouvelle team, plus petite dédicace. Ouais, la Millennium, c'est notre nouvelle équipe. Et dédicace à toi, Sheldon Perrault. Il y aura d'autres lives comme ça, bien sûr. Ah, trop marrant, merci. Loan, platine, hein, gloss. Je t'aime, Loan, t'es un paysan. Non, je suis juste du sud. Ouais, c'est un paysan, quoi. Loan, le bisou de PD. Dédicace à Mathias Design. J'hésite à acheter un Squid Grip pour PS3, vos avis. Bon, après, Squid Grip, c'est vrai que c'est... Ça sert, mais après, c'est pas grâce à ça que tu vas mieux jouer, forcément. Voilà. Il y a quoi de mieux sur Xbox que sur la Play? Les compétitions, tout simplement. Bah ouais, c'est en plus la scène Xbox, elle est mise en avant par rapport à... Ouais, bon, les serveurs, ils sont... Ouais, les serveurs, en plus, sur Xbox, il y a un mec PS3, quoi. Bon, tu reviens, Gotha? Ouais, je suis chaud. C'est parti. Ah, t'as oublié, Loan sponsorisé par les temps de Kisha. Oui, mais c'est vrai. J'ai rien dit, t'as voulu le dire. Bah, c'est vrai, vous voulez qu'on dise. Oh, oui, mais c'est lui. Je t'en prie.
Colos. Noël. Finance. Ouais. Oh, les filles, c'est emmêlé. Voilà. Bon, alors, 69 interactions. Pourquoi vous dites spoon? Parce qu'on a l'habitude de dire spoon et pas spawn. T'as mal écrit Omar. Diablo, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, merci, c'est gentil. Je vous aime tous d'ailleurs. Loan, y a-t-il un grade après master? Oui, un grade, c'est pro, mais il y a personne qui est pour l'instant. Ils sont pas encore activés, apparemment. Et ils sont pas encore activés. Ça a lancé. Bonjour, qui? Il y a deux masters et du platine, je crois. Moi, je joue à la PDW et j'ai joué avec. J'espère que ce sera bien. Capturer l'objectif. Je suis passé à gauche, je sais pas pourquoi je suis passé à gauche. T'en as pris des balles, toi. Un mid qui passe à gauche chez nous. Il arrive. Un mid. Ah, carré, carré. Il y en a un autre à droite. Je sais pas où il est passé. Ouais, Fontaine, Fontaine. Il arrive à droite, il arrive à droite. Dommage. J'ai poussé à gauche, hein. Enfin, je pousse à gauche. Ah, très bien, Fontaine, nice. Tiens, t'as droite. Ce sont ma peau. Encore un. Rien de sur le toit, il va dans le bâtiment. Rapeau dans le garage, là. Ennemi, attention, le brain en action. Et le brain qui n'a pas marché. Attention, l'ennemi a repris son drapeau. J'ai le blanc. Il y a 2-2-2. Il est bon. Je peux pas aller sur les mythos gamins. Un mid. On approche. Attends, à droite, à droite. Quel pays c'est? Non. Pas team portugaise? Non, c'était français. Hein. L'espagnol, je sais plus. J'aime pas moi la PDW. Ils sont à gauche du CG, je crois. Oh, y'en a un qui est arrivé du mid. Oh, à gauche, les gars, à gauche. Ils font mal, hein. Ouais. C'est chaud là, les gars. Ils tombent pas ou ils tombent? Ils tombent pas comme les autres, hein. L'ennemi a pris notre drapeau. Escalier. Il est pareil, hein. Le porteur ennemi est à terre. 1-1, carré, carré, carré. Le drapeau est sécurisé. On y va. Carré, 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 carré. Carré, il retourne à gauche. Il retourne à gauche, il retourne à gauche. Il prend beaucoup de balles, hein. C'est où, enfin? À gauche, à gauche, à gauche. Allez, carré, carré, carré. Il est parti à droite. C'est bien, c'est bien. Mort. Il est mort, il est mort, il est mort. Oh, mais sérieux, ouais. T'as bien fait la contre-attaque. Grenade lancée. Ils sont chauds. Le drapeau est mis en place. J'ai tout de gauche. À droite. À droite, j'ai demandé. Je pousse à gauche, hein, je pousse à gauche. Il y en a qui passe à droite. Encore. Il y a pas un chez nous? Non, il y a 30 morts. Agachez. Bleu, 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 bleu. Je suis Destin, GG les gars. Un carré middle, je crois, il est loin. Ouais. On a pris le drapeau ennemi. Élimination confirmée. Bon débrouillage en attente.
Arrête! On va lui faire 50 points. 50 points. Gardez un prêt à être déployé. A droite, à droite, il est passé chez nous. Il est passé chez nous. Et à droite. Ah, bien joué. Lui, il est français, Dadix. Non, à droite de chez nous. Tourelle auto parée au déploiement. Je vais tourer les tours pour le prochain side. Drapeau ennemi en place. Oh! Et au fond du spoon. Mais t'as pourquoi t'as fait ça? Il reste 30 secondes. Ouais, je vais mettre un flag avant le 30 secondes. Je vais partir en jeep, mais j'ai pas réussi. Il s'est passé sur toi. GG. Et tu sais, la tourelle, c'est pas comme si c'était déjà débloqué quoi. Attention, votre tour est en train de. Mais t'as pas pris. Je passe middle. Mais il faut le drapeau peut-être pour passer middle. Merde. Okay. Il était normal en train de dire je passe middle, il avait pas le drapeau. D'accord. Je passe middle, hein. Oh putain, il était à fond dedans. Je passe middle, il courait avec son petit couteau. Et là, t'as cru que t'avais le drapeau là. Et là, ouais. Tu t'es dit hop, allez, on court. Oh putain non. Ah celle-là je la retiens celle-là. Sécuriser l'objectif. Ah le fail. Ah c'est passé gauche, passé gauche. Il passe sur moi. Bravo ennemi, capturé. Il est mort. Je sais pas si ça peut respawn derrière moi. À gauche. Oh, tu peux rester là et ça spawn devant toi, Lone. Ouais. Avancé. On va bien plus bien là. Bravo ennemi, capturé. On en approche. Oh allez. A gauche one shot, il est one shot, il est one shot, il est one shot. GG. L'ennemi a repris son drapeau. A gauche. Élimination confirmée. Mort les deux à gauche. GG, full. J'ai. Full team. Gardez les stones, gardez les stones. Qu'est-ce que je fais? Posez dans 3 secondes. Allez, venez les gens. Le drapeau ennemi est à nous. On a le drapeau ennemi. Ils sont dans les deux là. Drapeau ennemi. Gardez un prêt à être déployé. À gauche, à gauche, à gauche. Oh non, non. T'es payé? Quoi? Attention. Hein? L'ennemi a repris son drapeau. Non. On a lié, on approche. Trône de brouillage en approche. On va mettre une petite tourelle. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, il pousse, il pousse, il pousse. Drapeau ennemi est à nous. Wow, je l'ai vu saccader d'un coup sur moi. À gauche, à gauche. Drapeau ennemi, capturé. Il est dans le rouge, Dadix. Ça doit être à cause du stream qui regarde. On a lié, on a. Autant le premier side c'était hyper chaud, mais là, je trouve que c'est beaucoup plus facile à sortir le drapeau. Le drapeau ennemi. J'ai. Oh. La gauche. Le drapeau ennemi est à nous. Je l'ai mis, je l'ai mis.
Gardien prêt à être déployé. Foudroiement allié en approche. Onde de brouillage en approche. Deux à gauche, deux à gauche, deux à gauche. Encore, encore, il y en a encore un. On a le drapeau ennemi. L'ennemi a détruit votre gardien. J'aurai l'autre paré au déploiement. Maintenez la pression. On est en tête. On a le drapeau ennemi. Ouais, d'accord, il y en a chez nous. Ça, ça pète le spoon. Ça pète le spoon. Ouais. Bleu, double, 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 double. Je savais pas, maintenant je sais. Le temps est presque écoulé. Allez. Ouh là, y a un full team là, les potes. Full team à faire, attention, je te regarde, Diablo. Allez, Diablo, allez, Diablo. Tu peux le faire, deux. Où est le troisième? C'est pas rush, moi j'ai du monde. Oh d'accord. Il était mignon lui. À sec. Les gars. On a le drapeau ennemi. Allez, on s'est pris la prune et Gouta, il est en live. Oh. T'as vu ce que j'ai dit? Ouais. Je dois recharger. Les arbitres les formes lignes, mon gars. Oh. Pourquoi pas de SND? C'est pas nous qui décidons des modes de jeu, hein. On lance le mode league. On en a fait pas mal de SND, on en a fait 4 je crois. Ouais, 4. Et Et bah là, on a plus de bonus. Ah, c'est un club, pour moi il vaut mieux jouer quand il y a les bonus. Après. Il y a plus, les bonus c'est qu'une fois. T'es sûr? Ouais. Tu dis quoi? Les bonus c'est qu'une fois là. Non, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, ouais. Bonus hebdomadaire, donc c'est toutes les semaines. Bon, on arrête. On est combien? On est classé combien? 15ème. Attends, on regarde comment faut aller pour aller. Attends, on fait voir classement. 10ème, ils sont 1140. 1140, je sais pas combien on gagne de points sur les bonus. 10. Là, on gagne un match, on est 14ème. On gagne deux matchs, on est. 10 points par match? Ouais, on gagne deux matchs, on est 10ème. C'est pas on est 11ème. On est 12ème, on gagne deux matchs. Ils sont à 30 victoires, les 10ème. Nous, on est à combien? On est à 10. Là en fait on gagne le match. On est dans le top 25 déjà, c'est déjà pas mal en une soirée. En 15 games être dans le top 25 master, c'est plutôt pas mal. 10 ouais. Ah oui, non, les 5 premiers ils ont pas compté. Ouais, les 5 premiers comptent pas. C'est match de placement. Ok. Alors, regardons vite fait les commentaires. Oh ouais, j'ai peut-être fait un game au sniper, mais je sais pas en fait, on sait pas trop à chaque fois quand, si on tombe sur des bons ou pas. Ah, mais là on va arrêter, hein, on va faire. À part si au pire on refait deux games, quoi, si on arrive. J'ai déjà Diablo pour le flag, tu nous as bien fait rigoler. J'avoue. Mais le pire c'est qu'il a pas fait exprès, hein. Il croyait vraiment avoir le flag, il courait. Je passais middle map, tout, tu sais. Ouais, non, mais je te jure, je t'ai vu passer à côté de moi, et moi j'ai fait, pourquoi t'as pas pris le flag? Et je te fais, et tu m'as répondu quoi? Tu m'as fait, putain, je passe middle avec le flag. Et je t'ai vu passer avec ton petit couteau, mais j'ai explosé. J'ai explosé. Ça arrive. Il n'en plus le dieu. Il y a encore 6000 personnes à ce qu'il paraît sur le stream. Ouais. C'est vrai? Tiens, ça fait plaisir de voir autant de personnes. Diablo, je t'aime mon chou. Tu t'es un peu tapé la honte, mais je t'aime. Corentin da Silva.
Coco, tu reprends quand les Gaffes sont en Warfare 3? Je pense pas les reprendre malheureusement. Vous êtes sûr que vous gagnez pas 100 points pour une victoire? Non, c'est 10 points après. Ouais, c'est 10 points, il me semble. Bah, 10 ou 30. Bah, vas-y, lance, au pire, on verra. Mais non, mais, non, mais pourquoi ils vont, faire, ils vont écrire bonus 100 et gagner mais 100? Mais marquer 100 des points. Non, c'est 100, c'est, tu gagnes 10 points. Bah, des fois, il y a des games à 130 points. Il y avait des games à 130 points des fois. Bah, t'as le bonus? Non, si. C'est des bonus de 100 points. J'ai déjà fait le bonus. Oui, mais en fait, je pense que quand tu pounes des gens avec un meilleur. Bah, bah, on pourra pas. Bon, après, faudrait qu'on tombe dans des mecs qui sont au-dessus de nous, mais il y a très peu de chance. Passer en pro ce soir, c'est quasi impossible. Non, mais il n'y a pas le pro encore. Oui, il n'y a pas le pro encore. Ils ont 3000 points les premiers, c'est impossible. C'est qui les premiers? Conquer, Machu, Fearless. Putain, on avait joué contre eux, Fearless et tout. Wow. Ils l'ont trop bien fait. Quoi? Le logo? C'est ça le logo, vrai? T'as vu? Ah, c'est fou, hein. Tiens, avec la petite truc qui brille là. T'as vu? Oh, ils l'ont trop bien fait. Je suis jaloux. J'aime bien le tien aussi. Ouais, mais eux ils arrivent à faire des reflets, tu vois. Nous on n'a pas de reflets. Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont de chance. Vas-y, on l'a, non? On est chaud. C'est parti! L'optique c'est encore juste. En fait, non, c'est qu'en fait, dans chaque division, il y a différentes sous-divisions. C'est-à-dire que nous, nous sommes dans la sous-division plutôt 6-3. Donc en fait, parce qu'ils peuvent pas mettre tout le monde dans la même division, forcément. Je sais pas comment il les classe à peu près. Mais nous, vraiment, qu'on connaît, qui est vraiment connu, c'est les NV. Les NVS là, ceux qui sont 3e. Ils ont 3000 points, ils ont dû sécher quand même. Putain. Recherche et destruction. Bah tiens, il y a une personne qui a demandé. Oui, je vais la rechercher en plus. Allez, go. Ciao. De quoi? De quoi? Ça va, go? Tu t'es pas pris la rempart, ça va? Ouais, mais je suis sur le casque. Tu campes. Ah, bâtiment, il est en bas, il a gueule. Un bâtiment de top TL. Il y a un mec sur la top TL, c'est sûr. Ah, tu l'as vu? Ah non, c'est. Tu as vu d'abord? Bon. T'as rangé? Y'a pas mes connards? C'est mes pompes, Gotha. Des. C'est mon Gotha, elles sont là. Ouais, mais une balle! Il est pendant devant toi? Nice, Gotha. Oh, go, la gars! C'est trop con. Ça freeze, ils ont dit. Ah oui, il y a peut-être eu un petit décalage, mais normalement c'est bon. Je vais mettre un gun sur mon gun, j'ai zappé. Où tu veux. Ouah, d'accord, ok. Attendez les gars, le capture module a bloqué. Je mets dans un camp. Donc ils ont pas vu ma balle de snipe. Alors, fermez le programme, je vais tout refaire, vous inquiétez pas, désolé pour ça. Ah bouge, là, ça pourra pas monter les gars. Attendez les gars, la capture card elle a planté. Je sais pas pourquoi. Mida, Max, tu peux arriver? Derrière vous. Je vous refais ça, désolé. C'est le PC derrière vous, encore. Tiens. Attendez, parce que là. Donnez à gauche. Allez. Je peux rien faire. Je vais pas le fermer. Je sais comment là. Ah, moi ça me le fait sur mon ordi, je vais le démarrer.
Je me disais, mais j'ai pas redémarré en stream. Ouais, je sais, mais je suis quand je veux faire. Bon, les gens, on revient. Putain, donc là, il doit voir que la cam, je crois. Donc on est en recherche, on gagne 2-0, c'est un peu le bordel. Alors, comment je vais faire? Un top mid. Tu joues à... Ah non, non, vas-y. Calère, top mid. Ah merde, tu vas parler tactique. Il y a une SMG derrière. Alors, déjà on va supprimer ça. Gosse Agony qui joue mid. À ma place, Jago. Wow. J'ai pas le son. Top mid et les one shot, top mid et les one shot, top mid et les one shot. Oh, ils sont deux dedans. En plus, j'ai pas de balle de. Il a mis ça sur quoi lui? Il joue en sensi tout. Derrière toi, derrière toi, les deux. Ouais, mais les deux. J'ai pas mon son en plus. J'ai le son. Derrière toi. J'ai pas mon son, ça fait bizarre. Bon, les gens, je reboot le PC, à tout de suite. Donc, il y aura pas le live pendant une minute à peu près.